Quelqu'un dit gloire à Jésus. Dieu est un Dieu des détails. Il regarde comment tu te tiens dans sa présence. C'est lui qui t'a renouvelé le souffle que tu as. Les mains qui acclament, c'est lui qui les a données. La bouche qui chante, c'est lui qui l'a donnée. Il a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc tu dois prendre le temps d'acclamer le Dieu qui t'a donné la vie. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas nos idoles. Ce n'est pas une image. C'est le Dieu vivant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Que ceux qui sont reconnaissants à Dieu fassent m'entendre leur Amen. Dieu est un Dieu de détails. Quand il a dit à Moïse de construire le tabernacle, Moïse n'a rien improvisé. Il dit: Moïse, je veux que les rideaux soient de couleur bleue, les rideaux de couleur blanc, le bois, le type de bois, c'est le bois de gopher. Il a donné tous les détails. Les chandeliers, voilà comment ils doivent être, avec de l'or pur. La table, et il a donné tous les détails. Pour te dire à quel point Dieu est un Dieu de détails. Donc quand je me tiens dans sa présence chaque jour, à chaque instant, je suis devant le Dieu qui me contemple. Il me regarde. Là, tu ne connais pas Dieu. Hein? Il te regarde. Il voit comment je lève mes mains. Il voit comment je chante. Il voit comment je l'acclame. Il voit comment je pousse les cris de joie en son honneur. Il voit comment je respecte la parole. Hey. Quelqu'un donne un bon amen à notre Dieu vivant. Les dieux morts ne voient rien puisqu'ils n'existent pas. Ils sont pas. On les appelle les faux dieux. Dieu les appelle des faux dieux. Mais nous avons la grâce et le privilège d'appartenir et de servir et de chérir le Dieu vivant, le Père, le Fils, Jésus le Christ et le Saint-Esprit. Quelqu'un donne à Dieu un amen. Et tout à l'heure on chantait. Vous savez, il y a des chants qui sont des chants anciens, mais il y a des chants qui sont des chants. Le Dieu des miracles. Attendez, tu vois, il y a des chants, tu chantes et puis il est là. Et puis il y en a qui sont là. Il dit: le Dieu des miracles, c'est mon papa. Le Dieu des prodiges, c'est mon papa. Le Dieu qui m'a aimé, c'est mon papa. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa. Le Dieu qui m'a aimé, c'est mon papa. Ah, chacun pour soi, chacun pour soi. C'est mon papa. Le Dieu de mon salut, c'est mon papa. Le Dieu qui m'a fait grâce, c'est mon papa. Le Dieu de mon soutien, c'est mon papa. Le Dieu de ma guérison, c'est mon papa. Le Dieu de ma délivrance, c'est mon papa. Le Dieu de mon amour, c'est mon papa. Le Dieu que je chéris, c'est mon papa. Chacun pour soi dit avec moi, c'est mon papa. Le Dieu de ma passion, c'est mon papa. Le Dieu que moi j'aime, c'est mon papa. Le Dieu de qui je suis, c'est mon papa. Le Dieu qui m'a tant aimé, c'est mon papa. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa. Le Dieu qui me soutient, c'est mon papa. C'est mon papa, le Dieu de ma gloire. C'est mon papa, le Dieu qui m'a élevé. C'est mon papa, le Dieu.
Il est ma source, mon origine et mon créateur. C'est mon papa. Il est le sujet de mes louanges. C'est mon papa. Il est le sujet de mon allégresse et ma joie. C'est mon papa. Il est le Dieu de ma paix. C'est mon papa. Il est le Dieu de mon triomphe. C'est mon papa. Il est le Dieu qui a fait de moi une lumière du monde. C'est mon papa. Le Dieu qui m'a tout donné en Christ. C'est mon papa. Il m'a tout donné en Jésus-Christ. C'est mon papa. Le Dieu qui a sacrifié son c'est Fils unique. Ce n'est pas une obligation, mais il y a un seul Dieu, le Père. Que ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas une obligation, connecté ou en présentiel. Quels que soient les lieux, les territoires où nous sommes assemblés, je lève mes mains, j'acclame mon Dieu, je pousse un cri de joie en l'honneur de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Il est écrit, rendez grâce à Dieu le Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, par l'Esprit de Dieu, le Père et le Christ, qui habitent en nous. Nous prenons le temps d'acclamer Dieu, d'apprécier Dieu, d'honorer Dieu, de bénir Dieu. Il y a un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus le Christ, un seul Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est digne d'être honoré, apprécié, magnifié, loué, exalté. Que tout ce qui respire, tout ce qui a encore le souffle, tout ce qui est compté parmi les vivants, donne un amen d'action de grâce à Dieu. Ce n'est pas encore le bon niveau, que ceux qui l'aiment se distinguent par la qualité de leur amen à Dieu. Ce n'est pas encore le bon niveau. Que ceux qui aiment Dieu poussent un amen de quelqu'un qui aime son Dieu. Ce n'est pas dehors que Dieu attend la louange. C'est dans son palais que Dieu attend la louange. C'est-à-dire en toi et par toi. Si tu aimes Dieu, ce n'est pas une obligation. Ouvre ta gorge, délie ta langue, donne à Dieu un amen d'action de grâce. Nous a aimé le premier. Nous le célébrons parce que nous sommes nés pour son plaisir. Il a dit que tout ce qui existe existe pour toi, pour accomplir ta volonté. Tu n'existes pas pour ton propre plaisir. Si c'est ça, tu vas aller en enfer. Mais nous existons, ceux qui lui appartiennent, pour le plaisir de Yahweh, pour le plaisir de notre Dieu, le Père, le Christ Jésus qui est le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, reçois nos acclamations, reçois l'expression de notre appréciation, de notre adoration. Nous ne faisons pas semblant. Ce n'est pas faire du bruit pour faire du bruit. Ce n'est pas louer pour louer. De tous nos cœurs, de toutes nos âmes, poussés par l'Esprit, nous te célébrons, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Abba, c'est-à-dire Père en araméen, reçois nos actions de grâce. Abba, Père, dans le nom de Jésus. La prophétie disait qu'à chaque début de semaine, à chaque début de mois, tout être vivant viendra devant l'Éternel. Tout ce qui respire se tiendra devant l'Éternel pour l'exalter, pour l'honorer, pour lui dire merci, pour l'élever, pour te célébrer, pour te dire combien tu es digne d'être élevé. Du soleil levant jusqu'à son couchant, mon âme te bénit. Fier je suis de t'appartenir, fier de pouvoir t'invoquer, parce que je n'invoque pas un Dieu qui est mort. Je n'invoque pas un Jésus religieux ou mort. J'invoque le Jésus le Christ, celui qui a été crucifié, enseveli, glorieusement ressuscité 40 jours plus tard. Celui qui est monté à la gloire de Dieu le Père,
qui est assis à sa droite maintenant et qui domine sur tous les royaumes visibles et invisibles, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom que nous aimons, le nom de Jésus de Nazareth le Christ. À toi l'honneur, la louange, à toi les actions de grâce, à toi l'appréciation de nos cœurs. Nous le disons de tous nos cœurs. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Père, en ce premier dimanche du sixième mois de cette année de gloire supérieure, le peuple que tu t'es acquis, le peuple que tu t'es formé, veut célébrer tes louanges. Reçois la gloire, reçois les acclamations. Les acclamations sont une manière de te célébrer, de t'exalter, de te louer. Tout ce qui vit encore, loue Dieu, célèbre Dieu. Est-ce que tes mains sont en train d'acclamer ton Dieu? Est-ce que tes mains sont levées en l'honneur de Dieu, en l'honneur de l'Éternel, l'incomparable, le vivant au siècle des siècles, en l'honneur de Jésus le Messie, en l'honneur du Saint-Esprit? Ah, Père, Seigneur Jésus, Esprit Saint venu du ciel, nous acclamons ta présence, nous acclamons ta gloire, nous chérissons ta présence. Remema Shabraka Sabara, Eme Sabrakobe Sinabara. Les mains que nous acclamons, les mains que nous levons, oh, les paroles que nous disons, agrée-les ce matin. Nous voulons t'offrir, oh Dieu, un culte qui te soit agréable de tout nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la majesté, le triomphe, la beauté, l'éclat. Que ceux qui aiment Dieu fassent entendre un amen comme un tonnerre dans le lieu où nous sommes assemblés. Merci, Abba Père. Jamais nous ne cesserons d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Parce qu'il est le Dieu de notre vie. Il est notre vie. Il n'est pas seulement notre Dieu, mais il est notre tout, notre absolu. Excellent Père, nous sommes reconnaissants. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Toi qui donnes le souffle à tout être. Même les plantes ont besoin du souffle de Dieu pour vivre. Et combien les animaux? Toute la création a besoin de ton toucher, besoin de ta grâce. Même les oiseaux, tu te rends compte, même les oiseaux, tous les matins, doivent recevoir de Dieu la nourriture. Mais avant de manger, ils doivent d'abord recevoir le souffle. Parce que si Dieu retire le souffle, qui vivra? Si tu nous retires ton souffle, nous partons. Voilà pourquoi il est écrit que l'homme n'est comme qu'une fleur qui est là et qui sèche pour un peu de temps. L'homme n'est rien, n'est même pas capable de retenir son souffle. Non, Père, c'est toi qui as donné la vie à tous les mortels, à tous les hommes. Voilà pourquoi nous les vivants que tu as gardés en vie avec humilité, mais avec un cœur en même temps humble, en même temps reconnaissant de tous nos cœurs, humblement, sincèrement, mais vraiment sincèrement. Reçois nos actions de grâce. Nous acclamons parce que nous t'aimons. Nous t'acclamons parce que nous sommes reconnaissants. Nous acclamons parce que nous sommes remplis de gratitude. Quelle que soit la manière dont la semaine s'est passée, dans les premiers mois de cette année se sont passés, reçois nos actions de grâce. Dans les bons temps comme dans les mauvais moments, dans les épreuves que nous traversons, comme dans les grâces que nous jouissons, reçois nos actions de grâce. Je bénirai le Seigneur en tout temps, dans les bonnes et dans les mauvaises saisons. Mon âme te bénit, mon âme te chérit, mon âme t'exalte. Je suis attaché au Dieu de mon salut. Je suis attaché au Dieu de ma vie. Je suis rempli de reconnaissance. Je te bénis, je te célèbre, excellent Père, glorieux Père, dans le nom de notre glorieux Seigneur Jésus, reçois ma reconnaissance. Oh, béni soit Dieu. Il y a quelqu'un qui est comme moi, qui aime son Dieu, en public et en privé, tu veux le faire savoir. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas une question de là où je me trouve, c'est une question du Dieu qui vit en moi. Reçois mes actions de grâce. Le Dieu de mon salut, c'est mon papa, oh, le Dieu de mon salut. C'est mon papa, oh, le Dieu qui m'a tellement aimé. C'est mon papa, oh, le Dieu qui m'a délivré. C'est
C'est mon papa, le Dieu de ma gloire. C'est mon papa, le Dieu que j'aime. C'est mon papa, le Dieu qui m'a choisi. C'est mon papa, le Dieu qui m'a élu avant la fondation c'est du monde. Mon papa, le Dieu qui m'a appelé à son héritage glorieux. C'est mon papa, le Dieu qui m'a positionné en Christ. C'est mon papa. Abba Père, dans le nom de Jésus, on reçoit nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Oh, si je n'avais rien à dire, je te dirais seulement Père, Père, mon amour de Père, mon amour de Papa, Père dans les cieux, Père en nous par l'Esprit Saint, Père de miséricorde, Père de compassion, Père de grâce, Père de bonté. Nul ni personne n'est comparable à Dieu le Père. Béni sois-tu, chéri sois-tu, apprécié sois-tu, élevé sois-tu. Oh, je pourrais rester comme ça jusqu'à l'après-midi. Baba Shabrande Babara. Oh Rabanda Sabrada Darubanda Lebrahi Sasamandere. Oh Manda la Branda Lebrande Lebro Sobrata. Shabarande Buraba Mande Lebro Kande la Bran. Oh Nobara de Samande. Oh, reçois abondamment, abondamment. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Là, je ne suis pas distrait, je ne te regarde même pas, je regarde à mon Dieu. Si tu regardes autour de toi, c'est ton problème. Et moi, je ferme les yeux parce que je suis concentré sur lui. Parfois, les yeux ouverts sont source de distraction. Parfois, à force de regarder autour de toi, tu es distrait, tu peux te déconcentrer. Mais je contemple Yahweh, je contemple Dieu. J'adore Dieu, j'apprécie Dieu, je chéris mon Dieu. Oh, je lève mes mains pour adorer mon Dieu. Oh, j'acclame mes mains pour adorer mon Dieu. J'ouvre ma bouche pour apprécier mon Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu de ma vie. Il est ma source de vie. Reçois mon amour et ma profonde action de grâce. Même en 30 secondes, je peux te dire combien je t'aime et combien je te chéris. Car tu es mon papa, tu es mon amour, tu es mon refuge, mon rocher, mon tout, mon absolu. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Avant le travail, il y a Dieu. Avant le mariage, il y a Dieu. Avant même la santé, il y a d'abord celui qui donne toutes choses. Celui qui est tout en tout, c'est-à-dire toi, Dieu notre Père. Créateur des cieux et de la terre. Propriétaire de tout souffle. Toi qui donnes la vie à tout ce qui se meut. Reçois nos vives actions de grâce. Si sur la terre il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, trouvons-nous, ô Père, l'expression de notre appréciation. Trouvons-nous, ô Père, des cœurs d'adorateurs qui font monter vers toi en ce premier jour de la semaine. Dans le lieu où nous sommes assemblés, partout où nous sommes, trouvons-nous des cœurs d'adorateurs, des cœurs pleins de reconnaissance. Car même quand je n'ai pas prié, le fait que je rende grâce à Dieu, c'est déjà la prière d'action de grâce. Alors reçois nos actions de grâce. Nous t'aimons, nous te chérissons. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous t'aimons et nous te contemplons, nous te célébrons. Toi Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus le Christ, que ceux qui aiment Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, prépare bien ton Amen parce qu'il faut qu'il soit salé. Prépare bien ton Amen parce qu'il faut qu'il soit intense. Prépare bien ton Amen parce qu'il faut qu'il sorte de tes tripes, de ton cœur. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, reçois notre dernier Amen. Pousse ton Amen fort en son honneur. Ah. Merci de faire grâce encore à ton peuple que nous sommes ce matin. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. Excellent Père, dans le nom de Jésus. Béni soit Dieu. Nous aimons Dieu. Et c'est par ta grâce que nous avons la grâce de pouvoir aimer Dieu. Hey, quelle grâce! Souvenez-vous, il a dit le premier de tous les commandements, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tout ce qui est en toi doit vibrer pour aimer Dieu, apprécier Dieu, chérir Dieu. Quand tu tombes dans cette grâce, quel honneur. Même les anges sont choqués de voir qu'il y a des hommes sur la terre, comme les Abraham, comme les David, malgré leur imperfection, qui aiment Dieu et qui apprennent à le lui faire savoir et qui sont conscients qu'ils marchent dans l'amour authentique de Dieu et dans l'amour pour leurs frères et leurs sœurs. Béni sois-tu, toi qui nous transformes de gloire en gloire à cette année de gloire supérieure. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons prié. Et quelqu'un qui a prié dit Amen. Si je ne m'arrête pas, on va continuer cette affaire jusqu'à l'après-midi. On va chanter les cantiques d'adoration en son honneur. Parce que quand ça commence là, mon frère, c'est dur d'arrêter. Bibaraya Santi. Hey, le Père. Quelqu'un dit avec moi le Père. Il y a des chants comme ça, tu chantes, tu dis, hey, c'est mon papa. Hey. Ah, papa. Papa d'amour. Papa de nous. Ah. C'est-à-dire, en anglais, on dit crazy love. C'est-à-dire un amour fou. Comment, pourquoi Dieu, après la trahison de Adam, n'a pas juste détruit toute la terre pour recommencer de nouveaux cieux, une nouvelle terre? Pourquoi il n'a pas tout détruit? Il a fait autrefois, par les eaux du déluge, il a détruit la civilisation qui existait avant la civilisation de la race humaine. Il a détruit par les eaux du déluge. Pourquoi après la faute de Adam, Dieu n'a pas tout détruit encore? C'est pourquoi? Parce que la création qu'il a faite, c'est-à-dire toi, à son image, à son ressemblance, il était trop amoureux. Il dit, je les aime tellement que je ne peux pas les détruire. Je préfère sacrifier mon fils pour eux, afin qu'eux, ils soient préservés. Et toi, tu veux me dire que le papa, là, il ne m'aime pas. Ok, reste là. Nous, on a compris la révélation de notre Père. Voilà pourquoi quand on l'exalte, quand on l'adore, on le fait de tous nos cœurs. Quand on l'aime, on le lui dit aussi. Quand on est reconnaissant, on le lui montre aussi. Ah! Nous te rendons grâce, Père. Quelqu'un dit Amen. Avant de nous asseoir, quelle grâce d'aimer le Père et d'être connu du Père. Ah, que Dieu t'accorde la grâce de le connaître. Quand Paul prie, il disait que l'amour de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, il prie que tu comprennes que tu as la révélation de l'amour du Père. Et que quand tu as cette révélation, ta vie soit changée à jamais. Quelle que soit la haine que les hommes pourront te donner, quel que soit le rejet que tu pourras avoir, on s'en fout, on s'en moque, on s'en... Ce qui est important, que c'est moi, le créateur des cieux et de la terre, le roi éternel, celui qui possède toutes choses, il lui-même et ça me suffit. Quel que soit le rejet dont tu es l'objet, on s'en moque, tu t'en moques, le Père t'aime, toi tu dis Amen. Aujourd'hui, dans le monde, dans le monde francophone, je pense, on célèbre la fête des mères. Donc, je veux quand même prendre le temps d'honorer les mères. Levez vos mains, vous les mamans. Hier, on a honoré les mamans, on a prié pour les mamans, on a béni les mamans. Mais il n'y a pas que les mamans, les seniors, il y a aussi pas les minimes, pas les juniors, mais voilà, il y a les mamans là. Il y a les seniors, maman, puis il y a les mamans. Que Dieu bénisse toutes les femmes dans le nom de Jésus. Que les femmes lèvent leurs mains. Que les mères lèvent leurs mains. Que les femmes lèvent leurs mains. Que le Dieu qui m'a appelé vous bénisse. Que la main qui est le... Hey, nous, on ne parle pas pour parler. Jésus a dit, moi, quand je parle, je ne parle pas comme les autres. Mes paroles sont spirituelles. Ce n'est pas les paroles zoba, zoba, bête, bête. Là. Non, 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 non. Ce sont les paroles poussées par l'esprit. C'est-à-dire les paroles qui donnent la vie. Quand elles sortent et quand toi, tu le reçois, elles s'accomplissent dans ta vie. On maudit un homme par les paroles. On bénit un homme par les paroles. Levez vos mains, mes soeurs, dans le nom de Jésus le Christ, par la grâce apostolique qui repose sur moi, que vos vies soient bénies. Que les mamans qui élèvent leurs mains soient bénies de Dieu. Que Dieu fasse resplendir sa gloire sur vos vies. Que Dieu accorde la paix à vos entrailles, à vos vies, à votre esprit, votre âme et votre corps. Que vos enfants soient bénis. Vous qui n'avez pas d'enfants, recevez vos enfants dans le nom de Jésus. Que ceux qui ne sont pas encore mariés, celles qui ne sont pas encore mariées, recevez vos maris dans le nom de Jésus. Des maris craignant Dieu, aimant Dieu, attachés à Dieu. Des maris intelligents et sages dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui vous a été volé vous soit restitué dans le nom de Jésus.
Excellente fête à toutes les mères au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À toutes les épouses, les mamans, les sœurs, quelqu'un donne un bon amen. Je n'entends pas les amen des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes d'impact en devenir? Est-ce qu'il y a des mères d'impact en devenir? Est-ce qu'il y a des mères de qualité en devenir? Votre amen est trop petit. Votre amen est trop léger. Que celle qui reçoit ces paroles fasse entendre son amen comme un tonnerre. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te remercions. Alors que nous voulons partager ta parole pour la journée, pour la semaine, à la saison et pour ce mois de juin, inspire-nous, aide-nous, fais-nous grâce. Je ne sais pas parler, tu le sais très bien. Voilà pourquoi je m'humilie devant toi, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit. C'est poussé par toi et par toi seul que les hommes sont capables, sont oints pour parler de la part de Dieu. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ne laisse rien au hasard, non Saint-Esprit de Dieu, mais inspire toutes choses. Remplis-nous, remplis mon frère, remplis ma sœur et conduis-nous, pousse-nous aujourd'hui, pousse-nous cette semaine dans les voies, les sentiers de ta justice, dans les choses que tu as préparées pour nous cette semaine, dans le nom de Jésus. Que ce mois de juin soit un mois incomparable au mois précédent. Que ce mois de juin, tu nous tires donc véritablement une gloire supérieure. Afin que ton peuple et ton église et ton troupeau aillent absolument de gloire en gloire. Qu'ils vivent la gloire supérieure, l'étape supérieure. Parce que beaucoup d'entre nous nous attendons à toi pour autre chose. Beaucoup d'entre nous nous entendons à toi pour des dimensions supérieures. Des choses que nos yeux n'ont pas vues, que nos oreilles n'ont pas encore entendues. Des choses qui n'étaient même pas montées dans nos cœurs. Mais des choses que tu as préparées pour nous et que tu nous as révélées par l'Esprit. Esprit Saint venu du ciel, révèle ces choses, établis-nous dans la vérité et pousse-nous davantage vers notre glorieuse destinée. Que personne ne meure en ce mois de juin au nom puissant de Jésus. Et je déclare par l'autorité du Christ qui est vivant, que personne qui entend le son de ma voix ne mourra de manière prématurée. Non, je refuse. Personne ne partira de manière prématurée dans le nom de Jésus-Christ. Tu relâches la grâce cette semaine, le manteau de la guérison, de la délivrance, des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires que tu accompliras par la puissance de ton esprit. Esprit Saint venu du ciel, c'est notre semaine de jeûne et de prière qui commence demain. C'est notre semaine spéciale Pentecôte. Nous nous attendons à toi, Esprit du Seigneur. Je sais que tu feras des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses formidables. Il y aura une fois de plus un avant et un après cette semaine qui commence aujourd'hui. D'avance, reçois les acclamations. Toi qui manifestes le règne de Dieu, toi qui as été envoyé pour glorifier Jésus, toi qui as été envoyé pour accomplir la volonté du Père sur la terre et dans nos vies et dans nos familles. Béni soit l'Esprit Saint qui vient du ciel. Honoré soit le Saint-Esprit. Apprécié soit l'Esprit. Acclamé soit l'Esprit. Loué soit Dieu, l'Esprit de Dieu qui est Dieu. Loué soit Dieu le Père, le Fils et n'oubliez pas le Saint-Esprit. Que ceux qui honorent l'Esprit l'honorent bien. Si tu es en train d'acclamer Dieu, acclame bien. Si tu es en train d'apprécier Dieu, assure-toi de bien apprécier. Ne fais pas semblant. Ne te gêne pas, ne te retiens pas. Oublie ton voisin, oublie ta voisine, oublie qui est à côté de toi. Acclame Dieu, fais monter tes acclamations. Tu ne perds pas ton temps, bien au contraire. Tu as la bonne part, tu fais la bonne chose. Est-ce que quelqu'un doit acclamer l'Esprit du Seigneur? L'Esprit de grâce et de prière. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer? Celui qui est venu du ciel, envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Gloire à l'agneau, gloire à Dieu le Père. Il ne nous a pas laissé orphelins, il a envoyé le Saint-Esprit. Nous acclamons l'Esprit, nous acclamons l'Esprit de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer en l'honneur de l'Esprit? Il est venu vivre en moi. L'Esprit Saint est venu du ciel. Que ceux qui aiment le Saint-Esprit, ah, défoule-toi, donne-lui ton amen fort. L'Esprit de Dieu, venu du ciel, nous accueillons le majestueux Saint-Esprit. Nous chérissons ta présence. Nous sommes honorés et contents et fiers de t'appartenir. Oh Saint-Esprit, béni sois-tu, honoré, apprécié, acclamé, exalté. Loué soit Yahweh. Béni soit l'Esprit de Dieu.
Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons rendu grâce au Père. En honorant l'Esprit, nous honorons le Père. Car l'Esprit, il est l'Esprit du Père. En honorant le Saint-Esprit, nous glorifions et nous honorons Jésus. Car l'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus-Christ. Et le mystère de la divinité, béni soit Dieu. Au nom suprême de Jésus le Messie, pour la dernière fois qu'elle donne un bon Amen. Avant de nous asseoir, tout à l'heure tu l'as fait, mais maintenant tu vas prendre le temps de bien saluer la personne qui est à côté de toi. Salue trois personnes seulement. J'ai dit trois, j'ai pas dit une, j'ai dit trois. Alors débrouille-toi, déplace-toi et salue trois, c'est un ordre. Et Dieu te voit, Dieu te regarde. Bienvenue à toutes les églises connectées, à tous les campus qui sont connectés. Je parle à nous tous, quels que soient les territoires où nous sommes. Avant de t'asseoir, tu as dit bonjour à trois personnes avec le sourire. Si tu as ta tête fermée comme un singe, ce n'est pas mon problème. Tu vas dire bonjour quand même. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Cette semaine, c'est notre semaine spéciale, la Pentecôte. En vérité, nous avons toujours la Pentecôte. Mais c'est bon dans le calendrier d'avoir des temps spéciaux pour la Pâque. Quelqu'un dit Amen. Et c'est encore bon quand une église met à part un temps. Ce n'est pas juste faire un dimanche Pentecôte. Non, nous on a dit pas de dimanche Pentecôte. On veut un temps spécial. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Dimanche, oui, c'est bon. Mais la Pentecôte, c'est nous. C'est quand il vient vivre en nous. C'est là que les choses sérieuses commencent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, cette semaine, à partir de demain matin, de 6h du matin jusqu'à 19h30, nous serons à l'église, nous serons dans la présence de Dieu. Et je pense que pour une fois, ça sera en ligne parce que je veux que tout le monde prie. Donc, toutes les églises, les gens doivent prier. Tu es au bureau et tu pries. Si tu as l'occasion, tu mets même un écouteur là, tu pries. Hein? Quel que soit le lieu où tu vas être là, on va prier. Même si c'est une demi-heure dans toutes les heures du travail, là, c'est une demi-heure. À l'heure de midi, prie. Le matin, prie. Le soir, prie. Parce que ça va chauffer cette semaine. Oh. La foi parle toujours. La foi doit parler. On ne va pas devant Dieu en disant bon. Je viens devant Dieu, j'espère, on n'espère pas, on croit que Dieu va faire, on croit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et cette semaine, nous venons dans le jeûne et dans la prière et dans le jeûne pour aller plus loin. Parce que beaucoup d'entre nous, ici, il y a des niveaux, tu sais toi-même que tu n'es pas encore, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose, parce que la bonne nouvelle c'est qu'avec Dieu il y a toujours plus, mais il faut avoir soif de ce toujours plus. Quelqu'un dit Amen. Oh, je vais lâcher ce micro-là, c'est ça? Miséricorde. Ok. Vous savez, quand on débarque comme ça, on a démarré. Oh, miséricorde. Surtout quand on parle de Dieu, je vous avoue que ce n'est pas comme quand on parle des maths, de la physique ou de la chimie. Quand on parle de Dieu, là, c'est comme si tout mon être est en train de vibrer. Je sais, quand on parle des mathématiques, quand on parle de l'histoire, géographie, tu t'ennuies et je te comprends. De la philosophie, vraiment là même, tu es même dégoûté, je te comprends. Mais quand on parle de la divinité, il faut que tu sois. Tu vois. Quelqu'un dit Amen. Ça, tu sens que tu es vivant. Quand quelqu'un est vivant, il transporte Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu en toi. Il est Dieu avec toi. Et cette semaine, nous nous tiendrons devant lui du lundi au vendredi. Les célébrer, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous allons prier. Quelqu'un dit Amen. Et nous allons nous tenir dans une attitude de prière associée au jeûne. Donc toi qui es un mangeur professionnel, tu vas te contrôler. Tu vas te... Il y a des temps où tu dois prier en étant engraissé, tu as mangé, il n'y a pas de problème. Mais il y a des temps de rencontre comme ça là où Dieu voit les détails. Il voit comment quand tu as faim, mais tu résistes. Tu bois seulement un peu. Si tu prends un traitement, ne jeûne pas, mais sois dans sa présence. Mais si tu n'as pas de traitement, ne dis pas que j'ai un traitement qui commence demain comme par hasard. Toi, tu es un menteur et une menteuse, repends-toi. Miséricorde. Vraiment miséricorde. Nous avons oublié d'annoncer qu'il y a, après la semaine de jeûne et de prière, samedi prochain, nous aurons une sortie d'évangélisation. De toute manière, ça maintenant, c'est dans la tradition. C'est triste. C'est triste quand une église ne fait que prier.
on a prié et après. On a prié et après, on fait quoi? Non. La prière, c'est le prérequis. La prière, c'est l'étape d'avant. Mais après avoir prié, il faut aller. Quelqu'un dit amen. Le jour de la Pentecôte, il faisait quoi? Il priait. Il priait. Mais ils ne sont pas enfermés dans une salle pour dire on va prier, on va prier. Après avoir prié, même si tu as prié 1000 jours, à un moment donné, il faut sortir. Il faut aller témoigner le Christ. Il faut aller annoncer le message. Nos prières nous préparent. Nos prières préparent le territoire. Nos prières préparent les cœurs. Mais après la prière, on sort. Donc samedi 10, nous serons là pour aller gagner les âmes. Et nous allons orienter notre sortie vers Philou, le lieu de notre prochaine campagne. Il faut qu'il y ait Philou invasion. Partout où nous irons, nous appliquons la stratégie de la conquête. Dis avec moi, invasion. Qu'on nous aime, qu'on nous aime pas, c'est invasion. Qu'on nous accepte, qu'on nous accepte pas, invasion de Jésus en Philou. Invasion de Jésus-Christ en Philou. Après Kinshundi, après Matou, c'est Philou. Et puis après, on va aller vers le nord de Brazzaville. Dis amen. C'est pas touriste, c'est invasion apostolique. Mais ça commence par la prière. Faut pas vous amuser à prier, prier, prier. Et puis après, on fait quoi? Que Dieu soit béni de ce qui nous a fait la grâce, non seulement de comprendre l'importance de prier, mais l'importance de aller sortir. Il y a des âmes qui doivent être guéries. Il y a des âmes qui doivent être délivrées de l'oppression du diable. Il y a des âmes qui doivent entrer dans le royaume par tous les moyens. Et ça va passer par toi. Toi qui es né de nouveau hier, tu es qualifié pour sortir. On a déjà vu beaucoup de fuyards qui se sont repentis, qui sont sortis. Et par lesquels Dieu a commencé à manifester les dons spirituels. Il y en a qui sont arrivés à peine 2 mois de conversion. Tu as les paroles de connaissance. Grâce de prier pour les malades et voir les malades guéris. Quelle grâce de voir que ta vie devient utile. Pas seulement pour toi-même, mais pour les autres. Donc il y a des gens en filou là-bas, tu vois, qui t'attendent. Et à ton lieu du travail, partout en tout lieu, des gens t'attendent. Ils sont en train de s'attendre à Dieu. Hors de question d'être religieux pour dire non, on n'ose pas aller parler. Plus vous m'insultez, plus vous me réveillez. Le diable sait que quand il m'insulte là, ça ne sert à rien. Jésus, on l'insultait, ils s'en moquaient. Il dit, mon père agit, je dois agir. Un point, un trait. Quelqu'un dit amen. Laisse les critiqueurs faire leur travail. Chacun son job. Eux, ils critiquent, nous, on avance. Eux, ils insultent, nous, on avance. Eux, ils calomnient, nous, on bénit, mais on avance. Eux, ils maudissent, ça ne nous fait absolument rien. Il n'y a pas une malédiction sur nous là qui a de l'impact. Quelle malédiction? Tu as maudit celui que Dieu a béni, on fait comment? Comment va... Voilà. Écoutez, hein, on se calme. Hein. Je n'ai même pas commencé encore mon message. Comment peut-on maudire que celui que Dieu a béni? Quand celui qui est supérieur a béni, comment veux-tu que quelqu'un te dise je te maudis? En fait, il a parlé pour rien. Laisse-le parler. Chacun a fait son travail. Il y aura toujours quelqu'un pour l'écouter. Les totos, il y en a partout sur la terre. Le jour où il est sauvé, il devient maintenant brio. Mais tant qu'il n'est pas sauvé, il est encore un peu toto. Ce n'est pas sa faute. La Bible les appelle les stupides ou les fous. Laisse-les. Avance. Quelqu'un dit amen. Donc retenez bien dans vos agendas. Dis avec moi, sortie d'évangélisation. Le samedi 10 et le samedi 17. Depuis le 24, on est en philo. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le Père peut compter sur toi? Est-ce que le Saint-Esprit peut compter sur toi? Je n'ai pas entendu ton amen. Ceux sur qui Dieu veut compter, dites un bon amen. Et ceux qui me suivent, toutes les églises connectées qui ne sortent pas, sortez. Priez et sortez. Pointe-Noire, sortez. Dolisie, sortez. Wesso sort déjà, gloire à Dieu. Toutes les églises connectées, sortez. Bangui, sortez. Allez témoigner le Christ Jésus. Kigali, sortez. Débrouillez-vous, sortez. Demandez à Dieu quelle est la stratégie. Parce qu'il y a toujours une stratégie en fonction du territoire. Toujours une stratégie. Celui qui révèle la stratégie s'appelle le Saint-Esprit. Mais il faut sortir. Oh, tu as perdu le sourire. Ok. Bon, Aïe, c'est sûrement un rire, hein. J'ai rarement vu des gens venir à l'église dire « Je me suis ennuyé pendant le culte. » Quoi, ça n'existe pas ici. Ici, tu vas rire, mon frère. Et puis maintenant, tu vas être cogné par la parole. Bien fait pour toi. Acclame Dieu si tu m'entends. Voilà. Acclame Dieu bien.
Hey, je dis acclame Dieu, quand tu nous regardes. Hey, acclame-le. Acclame ton Dieu. Gloire à Jésus le Christ. Quelqu'un dit amen. Non, c'est pour te faire rire un peu. Parce que, qui viennent à l'église avec tellement de problèmes que. Oh Seigneur, moi j'en peux plus. Oh Seigneur. Voilà, donc sois restauré. Alléluia. Alléluia. Ce mois de juin, c'est un mois. Dis avec moi 2023. Mon année de gloire supérieure. Dis avec moi 2023. Répète-le. Déclare-le. Affirme-le. Ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Déclare encore. C'est ton année de gloire supérieure. C'est mon partage. C'est ma portion. C'est ma réalité. Je ne recule pas. 2023, la gloire de Dieu est visible dans ma vie à un niveau supérieur. Donne un amen à Dieu pour tes propres paroles. En ce mois de juin 2023, nous entrons dans la manifestation de la gloire supérieure par le Saint-Esprit. Ah oui, dis avec moi, le Saint-Esprit. Oh, il est la personne la plus importante sur la terre. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on va faire un zoom sur le Saint-Esprit. En vérité, on le fait toujours. Mais là, maintenant, on va faire encore un autre zoom sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette semaine, dimanche prochain, c'est un culte spécial Pentecôte. Mon frère, ma soeur, ça va aller dans tous les sens. Viens avec une soif, viens avec une faim. Esprit de Dieu, il faut leur montrer que tu es réel. Il faut leur montrer que tu n'es pas n'importe qui, que tu es Dieu. Donc prépare-toi dimanche. Déjà cette semaine-là, ça va chauffer. On va prier. Et il va glorifier Jésus. Il va te montrer qu'il est réel. Quand je vois tous les gens qui disent ah, moi j'ai un esprit guide hein, qui me dit hein, moi j'ai un petit fétiche hein, parce qu'ils n'ont pas connu encore celui qu'on appelle le Allos Paracletos. Ils n'ont jamais rencontré celui qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Ils n'ont jamais rencontré celui qui est l'exécuteur des desseins de Dieu sur la terre. Mon frère, quand tu rencontres le Saint-Esprit, tu laisses tous les autres esprits. Tu dis, foutez-moi la paix. Il n'y en a qu'un seul qui est réel, c'est l'Esprit de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Même la qualité de ton amen, là, il te voit. Hein. Il dit, est-ce qu'il m'honore vraiment? Parce que moi, j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent, je les méprise. Que Dieu trouve en toi un cœur qui l'honore. Oh, que le Saint-Esprit t'honore d'une manière extraordinaire. Ah oui, là, comme tu as dit, amen, là, qu'il te fasse grâce. Faut pas t'amuser à dire, oh oui, mais ils font trop de bruit ici. Moi, je suis plutôt quelqu'un de timide et de silencieux. Mon ami, si tu es silencieux, deviens brouillant. Parce que le Dieu que nous aimons, c'est un Dieu de bruit. Il est aussi le Dieu du silence. Il y a des temps de silence, il y a des temps de bruit. Il faut connaître les deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manifestation de la gloire supérieure par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit Saint, c'est une personne divine, on va en parler dans la semaine, on va en parler dans les semaines à venir, on ne va pas s'arrêter. On en parle de toute manière tout le temps. Tout se fait uniquement par la personne du Saint-Esprit qui a été envoyée par le Père et par Jésus le Christ, le glorieux Saint-Esprit. Que ceux qui l'aiment disent le Saint-Esprit. Quel merveilleux personnage. Il est appelé Dieu. Il est appelé l'envoyé de la présence de Dieu, il est Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit, mais aujourd'hui on va parler d'une des choses qu'il fait, un de ses ministères, dis avec moi un de ses ministères, c'est-à-dire les choses qu'il fait quand il vient vivre en nous. Rappelez-vous, lorsque Jésus le Christ avait été attendu, il est né, et pendant 30 ans Jésus attendait, Jésus devait accomplir sa destinée, Jésus devait accomplir ce pourquoi le Père l'avait envoyé, Jésus devait devenir ce pourquoi il a été créé, tout comme toi aussi tu dois devenir ce pourquoi tu as été créé, et tu dois accomplir ce pourquoi tu as été créé, hein? Jésus est le modèle par excellence de toute vie. Si nous voulons vivre cette vie que nous sommes appelés à vivre sur la terre, regardons le modèle original. Il s'appelle Jésus de Nazareth le Christ. Si tu suis un homme, assure-toi que l'homme que tu suis il est en train, lui-même en train de suivre le Christ. Personne d'autre. Je ne suis pas mort à ta place.
Je ne suis pas mort pour prendre tes péchés. Moi aussi, j'ai été pardonné. Moi aussi, Jésus a pris mes péchés. Donc, quelqu'un dit amen. Notre modèle, c'est Jésus de Nazareth, le Christ. Il est né fils de Dieu. Non, il est né fils de l'homme. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité pour venir te sauver, toi et moi. Pour nous réconcilier avec le Père. C'était ça. C'est une de ses missions. Ses missions sont nombreuses. Mais il est venu s'offrir en sacrifice parce qu'il avait en vue la venue de l'Esprit. Le Père a toujours voulu vivre à l'intérieur de l'homme. Dieu a toujours voulu pas habiter dans les temples faits de main d'homme, pas habiter dans les tabernacles, pas habiter dans les grottes. Non, ça c'était des choses passées. Dieu a toujours voulu vivre à l'intérieur de sa création préférée, l'homme, c'est-à-dire ton esprit. Et avec moi, mon esprit. Dis amen. Et quand Jésus vient, il vient pour que le sang soit versé, pour que l'homme soit purifié. Et une fois que l'homme est purifié, maintenant Dieu peut venir par l'esprit qu'on appelle Dieu, qui est le Saint-Esprit, vivre en chacun d'entre nous. Et il fait de nous des dieux sur la terre. Pas des religieux, mais des dieux, des fils de Dieu, c'est-à-dire des dieux. Il ne nous sauve pas, c'est pas « je suis sauvé », oui, je suis sauvé pour devenir un dieu. Je suis pardonné pour manifester ma vie de Dieu sur la terre. Dis amen. Et la personne qui me rend capable de le faire, on l'appelle Dieu, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Personne ne peut accomplir sa destinée divine sur la terre sans Dieu. Personne ne peut devenir quelqu'un de grand sur la terre sans Dieu. Le Dieu dont on parle, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus était déjà dans le ciel avant, mais dès qu'il rentre sur la sphère humaine, la sphère terrestre, il ne peut pas accomplir les projets de Dieu sans Dieu. Il ne peut pas devenir ce que Dieu l'appelait à devenir sans Dieu. Il ne peut pas manifester Dieu sans Dieu. Et le Dieu dont on parle, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre à l'intérieur de l'homme. Donc Jésus de Nazareth, bien que quand il est né, les anges ont dit à son sujet que ouais, il est né, on a dit des prophéties, on a chanté, on a mené des offrandes. C'est bien. Mais il attendait Dieu qui est dans le ciel, qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Il ne pouvait rien faire. Il avait beau connaître la Torah par cœur, connaître la loi par cœur. C'est vrai. Il parlait le bon langage, c'est vrai. Il était éloquent peut-être, on ne sait pas. Mais il ne pouvait pas accomplir ce pourquoi Dieu, le Père, l'avait envoyé. Il ne peut rien faire. Et lui, quand il est né, les anges sont venus célébrer. Toi, on ne sait pas s'il y a eu les anges. Il y a eu les coques, les mamans, les tates, les oncles. Moi, on ne sait pas s'il y a eu les anges. Dis amen et je continue. La bonne nouvelle, qu'il y ait des anges ou pas des anges, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quand tu rencontres Dieu. Et on sait qu'à l'âge de 30 ans, il va se faire baptiser dans le Jourdain. Et là, il dit que là, maintenant, c'est mon heure. J'ai rendez-vous avec le Père maintenant. Je suis le Fils de Dieu sur la terre. Je me suis incarné dans un corps de terre. Mais mon heure vient. Il faut que je commence à accomplir. Ça fait 30 ans que je souffre ici sur la terre. 30 ans que je n'arrive pas à manifester, il y a quelque chose qui boue en moi. Je suis appelé de Dieu, mais je ne peux pas faire ce pourquoi je suis appelé sans celui qui doit venir du ciel. On l'appelle le Saint-Esprit, on l'appelle Dieu. Et lui, quand il viendra en moi, ma vie va commencer à changer. Et il était monsieur ordinaire, tout comme toi tu es madame ordinaire. Jeune homme ordinaire, jeune fille ordinaire, on ne te calcule même pas. Viens ici, va là-bas, oui je viens, oui je vais. Lui aussi, Jésus vient raccorder la charpente là. Hein. La charpente est mal fixée. Il dit, ok, ça, je fais ça seulement en attendant mon jour. Hein. C'est pas ma destinée. Il a quoi. Mais il sait dans son cœur qu'il y a autre chose. Mais en attendant, quoi. Jésus, grand-mère est malade. Elle est en train de mourir. Il dit, aïe. Que Dieu te bénisse. Puis la maman me dit, aïe. Si seulement j'étais déjà devenu ce que je dois devenir, tu ne serais pas mort. Mais aïe. Il dit, Saint-Esprit, quand tu viendras, quand vas-tu venir? Quand il dit, j'attends. Il voit la mort frapper, il voit Satan malmener les hommes. Il voit les démons tourmenter les hommes, mais il ne peut rien faire. Son heure n'est pas encore venue. Donc tu comprends que le gars a attendu ses 30 ans. Il a attendu le jour J, le jour de la rencontre. Il va se faire baptiser dans le Jourdain. Et quand il vient dans le Jourdain, Jean-Baptiste le prend, il le plonge dans l'eau. Et la Bible dit, quand le gars il sort de l'eau, il dit non, le Père avait dit c'est maintenant.
Il lui dit qu'il se met à prier. Une des choses qu'on commence à faire quand l'Esprit Saint vient, comme il va le faire cette semaine, c'est qu'on engage la prière. Ah oui, sans la prière, mon frère, ça ne marche pas. Et lui, il prie. On prie avant qu'il vienne, on prie pendant qu'il vient, on prie après qu'il vienne. Tu as compris? On prie avant l'Esprit, on prie pendant l'Esprit, et puis après, on continue la prière. La vie de prière. Jésus s'est mis à prier. Et dès qu'il s'est mis à prier, le ciel s'est ouvert. Hey, ça veut dire que l'activité divine a commencé à se manifester. Les anges ont dit, oh, on attendait que le ciel s'ouvre. Que cette semaine, toi qui dont le ciel est fermé, que le ciel s'ouvre merveilleusement sur ta vie au nom de Jésus. Quand le ciel s'ouvre, il y a une forte activité angélique. Les anges disent, ah, on cherchait des territoires, on cherchait des instruments par lesquels on va se manifester. Mais ça se passe par la prière. Parce que le ciel s'ouvre quand on prie. Si on ne prie pas, le ciel est fermé. Que ton ciel soit ouvert par la puissance de tes prières cette semaine. Quand le ciel est ouvert, ça veut dire que c'est le temps de toutes les possibilités. C'est le temps de toutes les grâces. C'est le temps des bénédictions. C'est le temps des rencontres. C'est le temps des révélations. C'est le temps de la manifestation d'un nouveau niveau de puissance. C'est le temps où on ne pleure plus. C'est le temps où on sèche les larmes. C'est le temps de la joie et non pas des pleurs. C'est le temps de la vie et non de la mort. Quand le ciel s'ouvre, hey, que ton ciel soit ouvert cette semaine au nom de Jésus. Toi dont le ciel était déjà ouvert, eh bien que le ciel intensifie son activité sur ta vie. À qui je suis en train de parler, donne un amen bon fort. Quand le Saint-Esprit est venu le remplir, la Bible dit dans Luc 4, une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il était maintenant poussé par l'Esprit dans 40 jours, dans un temps de jeûne, dans un temps de prière. Dis avec moi, un temps de prière et de jeûne. Pourquoi il commence par la prière? Parce que on est dans un monde de guerre, mon frère, ma soeur. Le premier niveau, la première chose que Satan attaque dans la vie de tout homme, c'est la vie de prière. Je dois le rappeler encore aujourd'hui. La première chose que Satan va attaquer dans ta vie, c'est la vie de prière. Mon frère, nous sommes dans un monde en guerre. Hey, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Les novelas que tu vois là, les chaînes de télé, ce n'est pas la réalité. Nous sommes dans un monde en guerre. Nous avons des adversaires. Et le pire, c'est qu'ils sont invisibles. Nous sommes dans un monde en guerre. Il est écrit, les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres profondes, les peuples. Ésaïe 60, verset 1, 2. Verset 2 en particulier. Les ténèbres sont sur la terre. Sur la terre, il y a une forte activité satanique. Il y a une forte activité maléfique que tu n'as pas créée. Non, mais elle existait avant que tu sois né. Quelqu'un dit amen. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité profonde, c'est-à-dire les ténèbres profondes, les peuples, les familles, les communautés, les territoires sont entourés de ténèbres, d'atmosphères maléfiques, des créatures démoniaques terribles, effroyables. Des créatures dangereuses environnent la terre, les familles, les peuples, les oppressent. Réveille-toi. Hey! En anglais, on dit wake up. Bon, comme j'étais accra, tu vois, non? J'ai beaucoup parlé anglais. Donc, il faut que je me désanglise pour me relifranchisise. Français Castano, s'il vous plaît, notez le dictionnaire. Voilà. Quelqu'un dit amen pour moi. J'ai réussi à te faire sourire, quelle grâce, tu as de belles dents, toi au moins. J'ai dit amen, je ferme mes dents. Est-ce qu'on peut continuer cette histoire? Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans un temps de prière. Frère, quand l'Esprit Saint vient, il sait que l'une des choses qui doit transformer, qui doit établir, qui doit allumer, c'est le feu de la prière. C'est la vie de prière. On peut tuer la vie de la méditation de la parole. Ça encore, on peut récupérer. Tu peux passer toute ta journée à écouter les enseignements, c'est bien, mais c'est insuffisant. Toute ta journée à écouter la parole, c'est très bien, c'est même très important, mais ce n'est pas encore suffisant. À un moment donné, quand tu as écouté la parole, ce qui est nécessaire, il faut engager autre chose. Il faut engager la prière. La vie de prière. Nous sommes dans un monde en guerre. Quand tu fais la guerre, l'ennemi qui te fait la guerre doit neutraliser ton système de défense et d'attaque. Il y a des pays qui sont en guerre actuellement, ils se font la guerre. Si on veut faire la guerre contre quelqu'un, pour le détruire, avant même qu'il ne commence à opérer,
on neutralise son système d'attaque. Là où on sait qu'il peut me faire mal, je le tue. Quelqu'un dit amen. La vie de prière. Tu peux perdre l'argent, ce n'est pas un problème, tu peux le récupérer. Tu peux perdre les amis, tu peux les récupérer. Tu peux même perdre l'espoir, tu peux aussi le récupérer. Mais il y a un domaine que tu ne dois pas perdre. Il y a quelque chose que tu n'as pas le droit de perdre et que malheureusement, toi qui m'écoutes, la plupart du temps, vous le perdez, nous perdons. C'est la vie de prière. Et quand le Saint-Esprit vient cette semaine, ta vie de prière va être réveillée. Pour tuer un homme, il faut d'abord l'affaiblir. Pour atteindre un homme, il faut d'abord l'affaiblir. Quand on t'affaiblit, on peut te tuer facilement. Et le monde des ténèbres sait que tant que ta vie de prière est éveillée, tant que ta vie de prière est debout, tu es solide, il sait qu'il ne peut pas te faire de mal. On ne prend pas quelqu'un qui est fort. On n'attaque pas quelqu'un qui est costaud. On doit réfléchir à plusieurs reprises. Quand tu vois les gars qui sont baraqués, la dernière fois, je regardais les bodybuilders, les costomans. J'ai même vu des femmes costaud women. Tu vois la femme, tu dis, hey. On a une montagne de muscles féminins. Celle-là ne peut épouser qu'un gars qui est comme elle. Si elle prend quelqu'un comme toi là, que je vois là, elle va t'écraser, on dirait un moustique. Frère, tu dis, Seigneur, je peux faire chercher une sœur. Hein? Et une sœur qui est différente. Avant d'aller attaquer un gars qui est baraqué, le gars, il n'arrive même pas à avoir les mains comme ça. Quand il marche, ses mains sont déjà comme ça. Parce qu'à cause des montagnes de muscles. Là, tu vas dire, au nom de Jésus, eh ben, qui est fou? Parce que tu aimes la longue vie. Si tu dis, hey! Tu dis, excusez-moi. On est venu en paix, on reste en paix. Moi, je ne t'ai pas touché. Pourquoi tu veux me toucher? Hey, qu'est-ce que je t'ai fait? Quelqu'un dit, amen. Mais ça, c'est la forme extérieure. L'homme n'est rien. Ça, c'est le corps. La force d'un homme, ce n'est pas le corps. La force d'un homme, c'est l'esprit. La force d'un homme, elle est spirituelle. Pour faire avoir la taille fine, mais avoir des muscles, une violente musculation de mon esprit. Ah, dis amen. Que Dieu t'accorde la grâce d'être un homme, une femme spirituellement musclée. Hein? Parce que quand le diable t'attaque, lui, il s'en fout de la taille. Il te suffit d'avoir un gars de 15 ans, 16 ans qui comprend le monde de la sorcellerie. Il prend ta silhouette, il prend une aiguille. Là où tu es costaud en train de faire ton haltérophile, il appuie seulement. Bon! Aïe! Un petit de 15 ans, un agent du diable, si tu t'amuses, il peut te neutraliser. Voilà pourquoi il faut faire attention aux frères et aux sœurs dans la foi. Parce qu'un petit comme David de 17 ans peut malmener, peut tuer un Goliath. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi et de grâce. Et tout vient de l'esprit. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi la vie de prière. Dieu veut la réveiller cette semaine. Pourquoi? Parce que pour les 6 derniers mois, il y a des choses que Dieu veut accomplir. Mais il ne peut pas les faire tant que ta vie de prière n'est pas ranimée. Tant que tu n'as pas réveillé la vie de prière. Et la seule personne qui peut ranimer la vie de prière s'appelle le Saint-Esprit. Il est appelé Dieu. Si quelqu'un me suit, dit amen. Dieu ne fait rien sans la prière. Sans la parole et la prière. Et là, je parle de la dimension prière. Donc, je veux te faire aimer la prière à un autre niveau. Il faut que tu aimes la prière. Il faut que tu aimes la prière. Plusieurs assoupis. Je suis sauvé. J'aime Jésus, mais je suis mort. Est-ce que tu sais qu'on peut aimer Jésus puis être mort? Il y en a qui me suivent ce matin, tu es en ligne. Ça fait 20 ans que tu es en ligne, tu suis l'écoute en ligne. Tu sais pourquoi? Tu aimes Jésus, mais tu es mort. Mais qu'est-ce qui est mort? Mais ta vie de prière. Tu es comestible, tu es comme un chewing-gum. Tu es comme un bonbon que le diable va croquer. Ça fait des années que tu suis le culte en ligne, alors que tu sais que tu peux venir, tu es à côté, il faut venir à l'église, il faut aller dans ton église. Mais non, c'est par habitude. Tous les matins, je me lève, je prends ma tasse de thé, je prends mon pain et je mange, et je suis le culte. Ouh, le pasteur. Mon frère, pas venir. Parce qu'il y a de la subtilité démoniaque dans cette histoire. Il y a une zone de confort qui est inconfortable, qui est dangereuse. Il y a des choses que Dieu ne fait que lorsqu'on est ensemble. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? D'ailleurs, j'ai fait un constat, ça c'est moi, j'ai fait mon constat. La plupart des gens, écoutez-moi, qui suivent tout le temps les kits en ligne, ont une vie de prière morte. Je répète, la plupart des gens qui sont des cultes, qui sont des suiveurs en ligne, ont une vie de prière qui est morte.
Je répète, la plupart des gens, j'ai fait mon constat, qui suivent tout ton écrit en ligne, ont une vie de prière qui est morte. Tu es sauvé, mais ta vie de prière est morte. Et comme ta vie de prière est morte, il n'y a rien qui se passe. Tu ne transportes rien. Pourtant, tu es né de nouveau, mais il n'y a rien qui sort de toi. Pourtant, tu aimes Jésus, mais tu es faible. Tu aimes Jésus, on sait, tu es faible. Tu n'arrives pas à manifester le Jésus que tu aimes. Tu es vulnérable, tu es fragile. Fais attention. Beaucoup d'entre nous, on aime les réunions de prière en groupe. Et quand on prie en groupe, là, au nom de Jésus, c'est bien. Mais tout seul, tu fais quoi? Quelle est ton endurance quand tu es seul? Quelle est ta capacité à prier quand tu es seul? Quelle est ta capacité quand on est ensemble, là? Nuit de prière, c'est bien nuit de prière. Mais est-ce que tu es capable de faire des nuits de prière seul? La vie de prière. Je ne te dis pas le temps où tu passes le matin en prière. Il y a toujours un temps. Quand je parle de vie de prière, je ne te dis pas le moment de prière que tu as le matin. Non. La vie de prière, j'ai bien dit vie de prière. C'est-à-dire on prie sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours concentré pour prier. Non. Mais toute la journée, je pense à Dieu. Toute la journée, je parle à Dieu. Tantôt, je suis au bureau, je lève mes mains. Je bénis Dieu. Tantôt, je suis dans le bus, Je dis, oh Seigneur, oh béni soit Dieu. La vie de prière, c'est-à-dire, ça dépasse le fait d'avoir un temps de prière de 1 heure le matin et encore, Il y en a pour qui c'est un exploit. 1 heure le matin. Ouf! Oh, j'ai commencé à 5 heures. Quand j'ai dit 6 heures, au nom de Jésus, nous avons prié. Ouf! L'horloge ne s'est pas arrêtée. Ouf! J'ai fini. Alors que Bouddha, c'est seulement le démarrage. Et pronti adabradi ami abrato. Mande la braceria. Pronti di baba. C'est une grâce extraordinaire d'avoir une vie de prière. C'est pas seulement je prie le matin, et puis après les 5 minutes que tu prends le soir, là, quand tu as fini de manger, là, avant d'aller au lit. Là. Merci pour la journée. Protège-moi. Protège ma famille. Le sang de Jésus, les anges de Dieu, je délie, je lis, je noue, je dénoue. Seigneur, je te parle, ça c'est pas la vie de prière. Ça c'est un peu le désordre. Donc cette semaine, que Dieu te transporte dans la vie de prière, où dès le matin, tu penses à ton Dieu, tu parles à ton Dieu, tu as ton temps de dévotion, tu as ton temps d'adoration. Si tu as raté le lundi, ce n'est pas un problème. Parce que dans la vie de prière, on vit avec Dieu. On marche dans la conscience que Dieu est là, que l'Esprit de Dieu est là. Que j'ai prié le matin, parce que des fois le matin, je n'aurai pas tout le temps. Mais je dis, Esprit de Dieu, tu es bienvenu dans ton sanctuaire. Esprit de Dieu, et même pour moi, même quand je n'ai pas... Non, mais la vie de prière, c'est merveilleux, c'est toute la journée. C'est du matin jusqu'au soir. Et même pendant la nuit, dans la vie de prière, quand je l'ai, même quand je dors, je pense à mon amour, je pense à mon époux, je pense à mon Dieu, je chéris mon Dieu, j'adore mon Dieu. Et quand je me lève le matin, j'ai généralement un cantique qui monte dans mon cœur, alors que ma bouche est fermée, mais je suis déjà dans la présence de Dieu. C'est la vie de prière. Je prie en permanence. Mon esprit est connecté à Yahweh. Mon esprit est connecté au Saint-Esprit. C'est la vie de prière. Que la vie de prière dans ta vie soit restaurée. Dans Lévitique chapitre 6 au verset 6, il avait déjà annoncé qu'il faut que quand Dieu vient vivre en toi, il dit le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra jamais. Il parlait de quoi? Il parlait de ta vie de prière, de ce qui te permet d'être constamment en interaction avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Il parlait du système de communication entre le ciel et la terre, entre Dieu et toi, entre toi et Dieu. Il parlait du système. Il dit, il faut que tu sois permanemment allumé, permanemment embrasé, permanemment connecté. Ce n'est pas, oh, j'ai prié le matin, au nom de Jésus, j'ai fini à 7 heures. Maintenant, bye bye, Holy Spirit, Saint-Esprit, à ce soir. Non, ce n'est pas bye bye. C'est là que j'ai fini le temps de dévotion. Mais maintenant, quand je vais me doucher, parotumi kapara, mande la brato kopé. Et si tu vas aux toilettes, va aux toilettes comme quelqu'un qui est en train de prier. Si tu marches,
tu attends le bus, ne fais pas comme les autres qui attendent le bus. Il est écrit, priez sans cesse. Donc quand j'attends mon bus, je mets mes écouteurs. Si j'ai des écouteurs, il met justement là. C'est-à-dire, ton esprit est constamment en interaction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a beaucoup à dire sur la vie. Dis avec moi, ma vie de prière. Réveille-moi. Saint-Esprit de Dieu. Quand il vient, il réveille la vie de prière. Il allume la vie de prière. Il restaure la vie de prière. Sans vie de prière, tu es faible. Trop de gens font semblant. La vie de prière. C'est ça que Satan attaque en premier. Il doit détruire ton système de défense, ton système d'action, ton système de réaction. Il doit le démolir, il doit le neutraliser. Mais quand ta vie de prière est active, alors tu fais attention. Parce que Satan va t'envoyer les gens. Il va te pousser à pécher pour étouffer la vie de prière. Tu peux avoir ta vie de prière debout le mois de mai au mois de juin. Ta vie de prière comme plusieurs, elle est down, elle est détruite, elle est anéantie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a vue. Et cette semaine, pendant ce temps de prière et de jeûne, jusqu'à dimanche prochain, tu vas voir le feu de Dieu être rallumé. Le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Mais je viens te dire que tu dois veiller toi-même. Il peut arriver des jours, ou deux, trois, quatre jours, cinq jours, six jours. Tu sens que c'est lourd, c'est trop lourd, tu n'y arrives pas. Un conseil gratuit, prends ça au sérieux. Tu es déjà infiltré, tu es déjà attaqué. C'est une attaque qui est invisible, c'est une attaque subtile du monde des ténèbres. Attaquez ta vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il est écrit, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Maintenez votre vie de prière. Protège ta vie de prière. Laisse les choses qu'on fait avec tout le monde. Ça, c'est bien. Les temps où on prie ensemble. Mais ta vie de prière, c'est ta vie de prière. Ta capacité à être constamment en communion avec Dieu. En intimité avec Dieu. Toutes sortes de prières vont sortir de toi. Tout le long de la journée, tout le long de la semaine. Ma vie de prière. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un moment où tu dois t'arrêter de prier. Comment ça? Même quand je suis, ma bouche est fermée, mon esprit est en train de prier. Même quand je ne prie pas en langue, je pense constamment à Dieu. Et Dieu peut constamment communiquer avec moi. Dieu peut me parler en permanence toute la journée, toute la semaine, tout le mois. La vie de prière. Quand tu vois la vie de Jésus, c'est ça que tu voyais. La vie de prière. Quelqu'un dit amen. Tantôt j'adore. Tantôt je dis ça en merci. Tantôt je suis en train d'intercéder. Tantôt je prie en esprit. Dis avec moi, ma vie de prière. Dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La version française, elle est bonne, mais la version anglaise, elle est meilleure. Et toutes les versions françaises que j'ai vues ne me disent pas ce que la version anglaise me dit. Parce que c'est sous-entendu. La version anglaise dit, il leur montra une parabole. Il leur expliqua une parabole pour leur montrer que les hommes, les humains. Au lieu de dire, il faut toujours prier. La version littérale dit que les hommes doivent toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Dis avec moi, les êtres humains doivent toujours prier. Les êtres humains doivent toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Ce qui est très intéressant à propos de ce passage, les hommes doivent toujours prier. Les êtres humains, c'est qu'il explique. Il ne dit pas que si tu es cadre, si tu n'es pas cadre. Il dit, dès l'instant où tu rentres dans le monde des vivants et que tu es appelé être humain, il ne parle pas de ton rang, il ne parle pas de ta religion, il ne parle pas de tes croyances. Il dit seulement, dès l'instant où tu rentres dans le monde des mortels, les hommes, les humains, dans ce monde dans lequel ils sont, dans ce monde de la matière, qui est contrôlé par le monde des esprits, que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher.
quelle que soit ta croyance, un homme qui est un être humain doit toujours prier. Maintenant, il y en a qui prient les entités démoniaques et ils le font parce qu'ils ont appris ces choses. Mais toi qui entends le son de ma voix, je te dis déjà de la part de Dieu, si tu es né de nouveau, les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Donc, il ne te parle pas d'avoir un temps de prière le matin ou la nuit. Il te parle d'être permanemment conscient de la présence du Dieu vivant en toi par le Saint-Esprit. Et la présence de l'Esprit Saint en toi va t'emmener, parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut accomplir cette parole. Même celui qui le dit là, il a fallu qu'il vive l'Esprit et que sa vie change de la dimension du Saint-Esprit. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir donc cette vie de prière qui fait qu'un homme doit toujours prier et pas se fatiguer, pas se décourager. Non, il y a toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications. En parenthèse, supplication, ce n'est pas supplier, bon de là, oh, oh Dieu, non. On a déjà vu ces choses l'année dernière, dit Amen. Supplier Dieu, ce n'est pas pitié, pitié, non. Supplier Dieu, c'est argumenter. Il y a des prières de requête, il y a des prières de demande, il y a des prières d'action de grâce, il y a toutes sortes de prières. Mais il y a une catégorie de prières qu'on appelle des argumentations, où on se tient devant Dieu le juge, où on se tient devant le trône de la grâce, où on ne dit pas « donne-moi seulement un », on dit « Seigneur, écoute, à cause du sang précieux que ton Fils a versé pour moi, pourquoi ma vie serait-elle un naufrage? Pourquoi vais-je continuer à souffrir? Pourquoi le diable va continuer à me molester? J'argumente devant toi. Je me tiens devant la cour, devant le trône de la grâce. Oh Père, dans le nom de Jésus, ne permets pas ça. Change mon histoire, change mon témoignage, change ma vie. Jésus est mort à ma place. Jésus est mort pour moi. Pourquoi Jésus a été sacrifié? Père, lève-toi. Fais-moi vengeance. Fais-moi justice. J'ai raté une occasion de dire Amen. Ça, ce n'est pas des prières. Oh, donne-moi. J'ai reçu un. Il y a des temps où tu vas donner, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que Dieu a donné. Oui, Dieu donne. Dieu relâche. Mais il y a des intercepteurs. Il y a des bloqueurs. De grâce, le Père libère. Regarde-toi, Daniel, Dieu a répondu. Mais les principaux t'ont dit non, ça n'arrivera pas sur la terre. Là, Dieu n'y est pour rien. Là, Dieu n'y est pour rien. Tu as demandé, le Père a donné le mariage. Il a donné les enfants. Il a donné tout en Jésus-Christ. Mais il y a des intercepteurs. Il y a des spécialistes du blocage. Quand la grâce vient, dit non, tu n'auras pas la grâce. Tu vas rester comme tu es. C'est là que Dieu dit, mais non. Pour obtenir gain de cause, pour que je renforce le système de défense de grâce. Toi, argumente. On appelle ça des prières de supplication. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, c'est le mot de passe. Toi, tu n'as pas compris. Oh Dieu, au nom de Dieu. Et il y a des gens ignorants. Oh Dieu, au nom de Dieu. Les anges disent, et dit quoi là? Il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Il y a le nom seulement de sa majesté. On appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Élevé à la droite de Dieu le Père. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et dans les enfers. Et dans les eaux. Donc, quand tu dis, au nom de Dieu, les gens disent, on ne peut rien faire avec ce... Là, il faut la clé, le mot de passe, le code de sécurité, le code de déverrouillage. Ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus, Hamashiach. C'est le nom de Jésus le Christ. Dis Amen. Il y a toutes sortes de prières, toutes sortes de prières, mais on ne peut le faire que par le Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit vient, Ephésiens 5, 18, faites en tout temps. Tu as vu? En tout temps. Du lundi au vendredi, 24 heures sur 24, même quand je dors, tu dis Seigneur, je dors. Et tu peux avoir des songes. Même sans songe, tu dis Seigneur, je suis conscient que tu es là. Et tu m'accordes la grâce de prier, d'échanger avec toi, de communiquer avec toi. On appelle ça canal ouvert.
canal ouvert, le boulevard ouvert entre le divin et l'humain. Tu deviens comme un hôtel où les anges de Dieu descendent et montent en permanence, où Dieu peut te communiquer des secrets. Dieu peut t'annoncer des choses à venir. Dieu peut te révéler des grâces. Dieu peut renforcer des capacités. C'est ce qui va t'arriver cette semaine. La qualité de ton amen là détermine. Les hommes doivent toujours prier. Quelqu'un dit amen. Jésus priait toujours. Les hommes doivent. Faites en tout temps par le Saint-Esprit. Et avec moi le Saint-Esprit. Béni soit l'Esprit Saint. Béni soit ceux qui ont reçu l'Esprit et qui comprennent que quand l'Esprit vient, il y a des choses qu'il veut faire. Donc le Saint-Esprit m'a dit de te dire que cette semaine, il va réveiller la vie de prière afin que, à partir de toi ou par toi, toutes sortes de prières. Oh, les prières. Dis avec moi les prières. Toutes sortes de supplications. Monte, sorte de toi et aille vers le trône afin que ta vie soit rafraîchie, que ta famille soit rafraîchie et que même ton territoire, le quartier, la ville, le pays soit rafraîchi de la rosée du ciel. Mais ça, ça passe par la prière et la supplication. La supplication, c'est le fondement de l'intercession, on l'a déjà vu. Quelqu'un dit amen. Quand j'apprends à argumenter avec Dieu, je rentre dans la catégorie facilement de ce qu'on appelle les intercesseurs. Il n'y a pas que toi, mon frère. Dis amen. Dis avec moi deux types de prières qui sont indispensables. Les prières que tu connais, je sais que tu connais tout ça. Mais il y a deux types de prières, je voudrais leur passer très vite. Le premier type de prière, je voudrais parler ce matin et qu'on doit pratiquer cette semaine encore dans toutes les églises. Les églises doivent être ouvertes. Églises de maison autant que possible ouvertes, connectées, afin que chacun prie. Afin que chacun prie. Et que les grâces que Dieu a préparées pour cette semaine, ce mois de juin, à partir de ce mois de juin jusqu'à la fin d'année, que ces grâces soient relâchées. Mais les grâces ne viennent que par la prière. Dieu interagit avec les hommes par la prière. Quand ta vie de prière est morte, comment veux-tu que Dieu réagisse? Dieu ne peut rien faire. Dieu se mouvoit par la prière. Dieu se met en œuvre par la prière. Dieu visite les hommes par la prière. Dieu secoue par la prière. Quand la vie de prière est morte, il n'y a plus rien. Tout est lourd en toi. Prier, c'est un calvaire. Prier, c'est dur. Ça va devenir aussi léger que le vent. C'est une grande, très grande bénédiction. Quand Dieu réveille ta vie de prière, Satan dit non, 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 il va me faire mal. Oui, il a raison. Parce que quelqu'un qui est éveillé, ah, c'est quelqu'un qui est dangereux. On veut te mettre par terre, pouf, tu dis je suis debout. Pouf, tu es debout. Tu es veillé. Il dit veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez. Ça veut dire soyez sobre. La vie de prière. Quand tu es sobre, même quand tu dors, tu es éveillé. Maudit soit l'ennemi qui vient venir, qui veut te maudire ou te faire du mal. Il va rencontrer un gars qui est vivant. Il dit, mais je croyais que tu dormais. Tu dis, non, même quand je dors, je suis en prière. Ah, même quand je dors, je suis en prière. C'est terrible pour l'ennemi. Voilà pourquoi il n'aime pas quand tu es en prière. Non, il n'aime pas ta vie de prière. Il doit t'étouffer. Mais toute personne qui a été dans la vie de prière a été étouffée. Que Dieu te réveille cette semaine. Ah oui, 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 oui. Oui, t'inquiète pas, n'aie pas honte. Ça arrive à tout le monde. Nous sommes en guerre. C'est une guerre entre les forces maléfiques, très actives, et la lumière. Qui doit retrouver sa splendeur. Oh, quelqu'un me dit amen. Acclame Jésus le Christ qui t'a donné le Saint-Esprit pour te réveiller, te réactiver, te rembraser. Ah, donnez amen. Hey, tu sais, cette semaine, parmi toutes les prières que nous allons engager, il y a deux types de prières que nous allons engager. Il y a des prières qui sont pour toi capitales. Depuis que le Saint-Esprit est venu vivre en toi, tu dois apprendre ce qu'on appelle les prières d'édification. Des prières où tu bâtis ta vie. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui qui vont t'aider demain. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui là qui vont t'aider pour les 6 prochains mois. Même pour les 12 prochains mois. Ne néglige pas les temps de prière. Ne néglige pas tout moment est un moment de prière. Dis amen.
Et la meilleure manière de préparer demain, c'est d'apprendre à se bâtir aujourd'hui. La meilleure manière d'être un bon étudiant demain, c'est d'étudier aujourd'hui. La meilleure manière d'être une bonne mère, c'est de se préparer aujourd'hui à être une bonne mère. N'attends pas quand il y aura des enfants pour dire, bon, comment on fait pour être mère? Non, on prépare ça aujourd'hui, c'est la foi. Donc ta vie de prière aujourd'hui, elle est capitale. Dis amen. Que Dieu réveille ta vie de prière. Que Dieu rembrasse ta vie de prière. Que le feu de Dieu restaure ta vie de prière. Si tu as, oh, tu reçois, tu dis un bon amen, oh. La vie de prière. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, verset 4 plutôt. Il dit, celui qui parle en esprit, il parle le langage de l'esprit, il parle en langue, il se construit lui-même, il se bâtit lui-même, il se taille lui-même, il se façonne lui-même, il se construit lui-même. C'est très important, je le dis encore, tous les jours, il faut que tu t'arranges pour avoir au moins une heure, c'est le minimum, de prière en langue, de prière en esprit. Mets les mélodies, mets les cantiques d'adoration, mets pas chauffer, non. Mets les cantiques doux, mets les cantiques simples et engage. Tu dis, Saint-Esprit, je viens prier pour m'édifier, parce que tu ne sais pas ce que tu dis, mais c'est en esprit que tu dis des mystères. Même si tu l'as dit coco, c'est pas grave. Dis mon coco, coca, j'ai soif, c'est pas grave, coco, coca, cola. Mais brille en esprit. Et des fois tu dois marcher. L'obrachandela, rope capara, ma chambre, et copa, rakatoto. Et on le fait à voix basse. Et tantôt la voix augmente bien, rado chante. Après tu recommences, brudi kaka bruda, mandi la bra, repre. Ou bien tu es assis, bras sont prêtés, les bras sont prêts, apparatote. Dis amen. Pakasunti la bracade. Là tu es en train de faire comme les costauds là, mais les costauds dans l'esprit. Personne ne devient lourd sans vie de prière. Quelle prière? Les prières d'édification. Les prières où tu bâtis ta musculation spirituelle, tes yeux spirituels qui sont flous finissent par devenir un peu plus aiguisés. Tes oreilles qui sont fermées, à un moment donné, tes oreilles deviennent plus sensibles. Oh, barato, mataparose. Les hommes power, les femmes puissantes sont des femmes qui ont appris à bâtir leur vie de prière. Une heure, minimum une heure. Que Dieu t'accorde cette grâce de prier en esprit au moins une heure. Fais dans tout temps par l'esprit au moins une heure. Ah. Veillez et priez. Jésus dit, beaucoup d'épreuves vont venir dans le monde. Mais ceux qui ne sont pas, c'est pas que j'aime Jésus. Non, tu peux aimer Jésus au puis tomber. Pourquoi? Quand l'épreuve est venue, il y a les gens, le vent souffle. D'autres, le vent souffle. Il est là, brato maya, sans effet. Il y a des gens, on envoie des sorts. Sans effet, parada. Et comme il y a un abrachopé, il dit, oh, on envoie la flèche phare. Bracapara. Oh, on dirait un lion de la tribu de Judas. Que ce soit ton partage. Kamachada brata. À qui je suis en train de parler, donne ton amen à Dieu. Dis avec moi, Père, réveille ma vie de prière par la puissance du Saint-Esprit. Dis encore, Père, réveille ma vie de prière dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Donnez amen. Prière d'édification. Tout homme doit, les hommes doivent prier. Et parmi les prières que les hommes doivent faire, il y a les prières d'édification. Veillez. Tu aimes Jésus. Mais quand cet homme arrive, il y a des gens que tu rencontres qui sont chargés de puissance spirituelle maléfique. Il te tend la main. Tu aimes Jésus, il vient de t'envoûter.
Le monde est spirituel. La vie est spirituelle. Les gens qui aiment Jésus, envoûtés par des gens. Lui, il a passé toute la nuit devant les rivières, dans les forêts, devant les arbres, en train de chercher la puissance maléfique pour contrôler le bureau, contrôler. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, « Oh, pasteur, mon collègue au bureau, mon chef, me maltraite. Aidez-moi à changer de service. » Il est misérable. Changer de service. Tu es tellement mou que ton chef a raison. Puisses-tu te tabasser encore. Parce que là, tu es comme le vent, mou pépé. Ils étaient si comme toi. Tu dis, moi, ils soufflent, je suis debout. Ils envoient, je suis debout. Ils parlent, je. Ah, frère, nous le disons avec humilité. Ce n'est pas de l'orgueil. Il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est parce que Dieu fait grâce pour que sa vie de prière en nous soit debout. On n'attaque pas facilement comme ça un gars qui a une vie de prière. On doit chercher des artifices, des masques, mais qui trouve en toi un homme, une femme dure, qui tombe sur le lion de la tribu de Judas, qui sommeille en toi. On peut être un agneau, chacun de nous, on doit être agneau. Mais pour vivre dans ce monde des ténèbres, il ne faut pas seulement être un agneau, hein, il faut aussi être un lion rugissant. Oh, ma rama kajadaba! Oh, paria mandebra! Qu'est-ce qu'il entend de dire? Eka! Ika manda! Rokosha! Cultive! Que la grâce de prier vienne sur toi au nom de Jésus. Au Ghana, il y a quelqu'un qui m'a dit, un homme d'affaires qui est dans l'immobilier, dans beaucoup de choses au Ghana. Il dit, mais je ne sais pas qu'on pouvait être patron d'une entreprise au pied être aussi puissant. Il dit, moi j'ai dit à Dieu, donne-moi la grâce d'être un homme puissant. Mais la puissance vient par la prière, pas par les discours, pas par les titres. Oh, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis prophète, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que je suis ce que je suis par ma vie de prière. Il dit, mais oh, comment un homme comme vous? J'ai dit, non, papa, moi je sais d'où je viens. Toi, tu vois aujourd'hui, moi je sais que je viens d'hier. J'ai appris à prier hier. J'ai appris à aimer. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être toujours embrasé pour toi. Aimer ta présence, chérir ta présence. Et pleinement, toujours en train de prier. Que la même grâce te soit accordée, mais mille fois plus. Tu vas voir, quelqu'un m'a dit hier, pasteur, je voudrais que Dieu révèle ma vie. J'ai dit, rendez-vous cette semaine, avant d'ici dimanche prochain. Tu vas voir les gens que Dieu va saisir ici. Oh, elle dit, que tu sens, que tu ne sens pas, tu vas recevoir une grâce, c'est ce que tu es venu chercher. Que Dieu réveille ta vie de prière. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais l'autre type de prière, en dehors des prières d'édification, c'est les prières d'intercession. Dieu nous l'a déjà enseigné. C'est ce qu'on va engager cette semaine. Oh, dis-moi un bon amen. Moi, j'aime les prières d'intercession. C'est bizarre parce qu'à l'époque, je n'aimais pas l'intercession. J'aimais penser à moi. Mais quand j'ai commencé à comprendre, Dieu m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'intercession. Ah, j'ai dit, alors c'est pour ça que c'est important d'avoir les prières, d'engager les prières d'intercession. Tu dois apprendre à faire des prières d'intercession. C'est des prières où tu n'es pas centré sur toi seul, non. C'est des prières où tu te tiens entre Dieu et ta communauté, entre Dieu et ta famille, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le territoire. Tu dis Père parce que Dieu aime les intercesseurs. Quand Jésus a pris le modèle d'un autre Père, il n'a pas dit de réciter. Toi-même, tu le sais. Il a dit, mais moi, Seigneur, montre-nous, apprends-nous à prier. En parenthèse, pour leur apprendre à prier ce jour-là, il était déjà en prière. Ce qui veut dire que même pour enseigner aux gens, il faut d'abord que toi-même, tu sois en prière. Pour donner des révélations, toi-même, tu l'es. En fait, Jésus était toujours en prière pour tout. Avant les miracles, prière. Pendant les miracles, prière. Après les miracles, prière. Avant les croisades, il priait. Pendant les croisades, il priait. Après les croisades, il se retirait, toujours en train de prier. Quelqu'un dit amen. Waouh! Avec moi, ma vie de prière. On lui a demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il dit, oui, 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 je vous enseigne à prier. Il dit, quand vous priez, il dit, moi, quand je prie, je vais vous montrer mon secret. Je ne prie pas pour moi. Je prie pour que le nom de Dieu soit glorifié. Or, sur la terre,
des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Il y a des entités qui ont dit, dans ta famille, dans ta vie, là, toi là, et ta lignée, et ta maison, et même ta vie, ton quartier, le nom de Jésus ne sera jamais glorifié. On est le gardien du quartier. On était là avant vous. Que voulez-vous? Que veux-tu? Es-tu venu pour nous tourmenter? Ici, on tue les gens. Je suis l'esprit de mort. Je donne la mort dans ce quartier. La mort dans ce territoire. Personne ne doit recevoir Jésus. On ne veut pas entendre parler de ton Jésus. Nous, on croit aux ancêtres. Ils tiennent les populations dans la captivité. Et Jésus dit, il faut que mon nom soit glorifié à Kinsundi. Amakelekele. En Filou et partout dans les villes du Congo. Mon nom doit être glorifié. Et Jésus dit, pour le faire, il faut que quelqu'un engage la prière d'intercession. Ce n'est plus seulement pour vous de moi. Mais il dit, mais Père, dans le nom de Jésus, que Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit célébré dans ce territoire. Mais il y a des entités qui ont dit, non, ça n'arrivera pas. Alors on engage ce qu'on appelle la lutte. Pour dire, vous, au nom de Jésus, libérez les âmes, lâchez prise. Et c'est la puissance de l'intercession. Toi, tu veux que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie? Il y a des entités maléfiques qui ont juré que toi, tu n'accompliras jamais la volonté de Dieu pour ta vie. Or, la volonté de Dieu, c'est la perfection pour ta vie. Mais alors, ils se disent, non, même quand tu l'as comprise, ça ne veut pas dire que tu vas l'accomplir, jamais. Ils vont s'opposer à toi par toutes sortes d'artifices, de ruses, de séductions, de confusion, de peur, de terreur. Alors, toi, tu crois que quoi? C'est une partie facile, c'est pas une partie facile. On engage la puissance de l'intercession pour détrôner les puissances du territoire, établir la volonté de Dieu. C'est magnifique. Pakoradi, Apandudi, Ida. Hey! La puissance que Dieu t'accorde cette semaine de réveiller ta vie d'intercesseur. Ah! Donne-moi ton amen et reçois cette grâce. Ah! Tu veux prier pour que Jésus soit glorifié dans ta vie? Toi, tu dis, pasteur, tout ce que je veux, c'est que Jésus soit glorifié dans ma situation. Mais justement, il y a des puissances maléfiques qui ont dit, ça ne se produira pas. Jésus le veut, le Père le veut, mais toi, tu dois engager la prière. Ta bonne volonté et le royaume des esprits sont fous. On engage la prière. Et par la prière, on impose la volonté de Dieu. Dis amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est ce que tu es. Mais cette terre est contrôlée par des forces maléfiques qui ont dit que toi, tu vas influencer ce territoire, ce sol, ce territoire, ce quartier. Jamais. C'est nous qui sommes là. On m'appelle esprit de mort. On m'appelle esprit d'échec. On m'appelle esprit de misère, esprit de pauvreté. On m'appelle esprit de violence. Je contrôle ce quartier. Je rends les jeunes malades. Je rends les jeunes violents. Je rends les jeunes fous. Je rends les jeunes rebelles. Je suis la principauté qui contrôle le territoire. Et toi, tu vas dire quoi? Au nom de Jésus, c'est, oh Jésus, quoi? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des territoires à les délivrer de la violence. On engage la puissance de l'intercession. On engage le combat de la prière. Que Dieu restaure ta vie de prière. Tu veux être sel de la terre, lumière du monde. Il y a des spécialistes qui viennent pour étouffer la lumière. Tu ne sais pas ça? Il y a des spécialistes pour étouffer le feu. Tu ne sais pas ça? On engage la prière en maintenant la vie de prière. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu ouvre ton cœur pour te réveiller. Réveille-toi! Réveille-toi! Le monde n'est pas ce que tu crois qu'il est. Les gens ne font pas exprès de refuser Jésus. Les gens ne font pas exprès d'être perdus. Ils ne font pas exprès d'être immoral, impudique, débauché. Ils ne font pas exprès d'être méchants. Certains sont otages des puissances maléfiques. On engage la prière d'intercession pour les délivrer. On engage la prière, toutes sortes de prières et de supplications pour faire le bien aux gens.
Oh, quelqu'un dit amen. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il est écrit que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est la justice de Dieu. Oh, mais ce que je vis est injuste. Je ne comprends pas, il y a trop d'injustice. Justement, il y a des puissances maléfiques qui sont derrière toutes les formes d'injustice. Tu ne sais pas ça. Tu dis, mais j'en ai marre de l'injustice. C'est trop dur. Renverse la chose, engage la prière. Établis le règne de Dieu. Établis la domination de Dieu. Parce que quand Dieu domine, c'est la justice qui domine. Quand Dieu domine, il va prendre des hommes. Il va les mettre dans le système du droit. Et ils vont être là, ils vont dire, hier c'était comme ça. Non, moi je suis quelqu'un de comme ça. Il va rendre la justice selon la volonté parfaite de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Tu sais pas que la paix a un prix? Quelle paix? Tu veux la paix? Engage la prière. Établis le règne de Dieu. Impose la paix. La paix ne vient pas facilement. Il y a des puissances diaboliques qui font tout pour maintenir un climat d'insécurité, de peur. Paix, ça vient de la prière. Ah, tu veux un foyer en paix? Tes enfants en paix? Un territoire en paix? Tout dépend de ta bouche. Ce que tu n'aimes pas, change-le en engageant la prière. Par la prière, tout est possible. Mais je ne parle pas des prières où tu penses qu'à toi, non. Il y a des prières qui dépassent moi. Il y a des prières qui concernent mon territoire, qui concernent ma famille, qui concernent les autres. Non, tu veux vivre la joie? La joie, il y a un prix à payer. Engage la prière. Sinon, ça va être tristesse sur tristesse, douleur sur douleur, souffrance sur souffrance. Voilà pourquoi il est écrit, quelqu'un est-il dans la souffrance qui ne se plaigne pas, qui prie? Quelqu'un est-il dans la souffrance qui prie? Qui ne se plaigne pas, tes plaintes ne changent rien. Seules tes prières peuvent changer tes souffrances en gloire, en témoignage. Mais pour ça, il faut engager la prière, la vie de prière. Éphésiens 5, verset 14, il est écrit, réveille-toi, oh réveille-toi. Dis avec moi, Seigneur, réveille-moi. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, mon frère, cette semaine. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Non, je suis sauvé, mais tu es mort. Tu es sauvé, mais ta vie de prière est morte. Je te dis de la part de Dieu, cette semaine, et ça commence pour toi aujourd'hui, ce qui était mort reprend vie dans le nom puissant de Jésus. Réveille-toi d'entre les morts. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus le Christ, Père, par la puissance du Saint-Esprit, réveille, réveille-moi d'entre les morts. Réveille-moi, réveille ma vie de prière. Oh Père, réveille ma vie de prière. Élève ta voix pendant une minute. Et élève ta voix. Élève ta voix. Qu'elle les bracas sont prêts que perrotoka. Para sont prêts que. Réveille ma vie de prière. Intensifie ma vie de prière. Que le feu de Dieu. Réveille, réveille, réveille. Oh, cette semaine, Dieu nous appelle à nous tenir devant lui dans la prière. Mais je ne pourrai pas y arriver si ma vie de prière n'est pas ranimée, réveillée. Je refuse l'assoupissement, la paresse, la lourdeur, la fatigue. Père, celui qui prie, c'est celui qui reçoit. Celui qui prie, c'est celui qui reçoit. Celui qui prie, c'est celui qui reçoit. Maintenant, maintenant, celui qui prie. Prashataka, manda braso lebrada, ibara baba baba, prashaka, ada robakata. Celui qui prie, c'est celui qui reçoit. Celui qui demande, c'est à lui qu'on donne. Celui qui frappe, c'est à lui qu'on ouvre. Ta vie de prière, elle est capitale, elle est indispensable, elle est fondamentale. Par l'Esprit, faites monter toutes sortes de prières.
Est-ce que tu es en train de demander? Chacun demande. Celui qui demande, c'est celui qui reçoit. Et Dieu le fait maintenant. Dieu le fait maintenant. Dieu le fait maintenant. Pali prakos et prataka. Mansomela. Iratopara. Rabasha. Oh, les sommes de prière. Où sont les sommes de prière? Où sont les femmes de prière? Aujourd'hui, réveille. Aujourd'hui, réveille. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Oh, le feu va descendre. Oh, le feu commence aujourd'hui. Et le feu toute la semaine. Dimanche, c'est l'apothéose. Dimanche, ce que kaka koka kataka. Manson prakata tatata. Rapakata tata rakata. Pakaya. Maya sobariaya. Mesken prakata. Réveille. Réveille-moi. Dis à Dieu, réveille-moi. J'ai péché, pardonne-moi, mais réveille-moi. Je me suis laissé assoupir, mais pardonne-moi. Réveille-moi, réveille-moi. Ne me laisse pas dormir. Que mon esprit se réveille. Que mon esprit se réveille. Oh Dieu, oh Père, ranime ma vie de prière. Est-ce que tu es en train de demander? Demandez, demandez, l'on vous donnera. Celui qui demande, c'est celui qui reçoit. Celui qui ne demande pas, il ne reçoit pas. Ma sœur, ne blague pas avec ta vie de prière. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de demander. Ce n'est pas le temps de regarder autour de toi, c'est le temps de demander. Les hommes éveillés, et Baba Rakata Kotototo, mais sans Rakata, Dieu a dit, il veut réveiller ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ils ont été assoupis, ils ont été intoxiqués, ils ont été envoûtés, envoûtés, envoûtés. Pakosko prata. Toute puissance d'assoupissement maléfique, démoniaque, tu es venu mettre l'assoupissement. Au nom puissant de Jésus, je te réprime par esprit d'assoupissement. Qui a amené le peuple à dormir, qui a amené l'église à dormir, à dormir, à dormir, alors que Dieu veut une église debout, debout dans la prière, debout dans la prière, église en prière, église en prière. Est-ce que tu es en train de lever ta voix? Il n'y a pas d'âge pour la prière, il n'y a pas de moment pour la prière. Tout moment, c'est un moment de prière. Tout temps est un temps de prière. Ah, ah, maintenant, maintenant, Père, maintenant, 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 c'est le jour. Maintenant, prépare Brachata et la Brachakopera, Mala Robaka, Meshanda, et Parata, Osotoko, Maïsaïta, aïe, 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 Shatakata Rabata. Rakata bako rotaka ma sombre kete rekete. Récupère, récupère le feu de ta vie de prière. Récupère, récupère. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ferme tes yeux et prie le Père. Pelarava, réveille-moi. Pense à toi-même. Il y a des prières que tu dois faire monter aujourd'hui pour demain. Ferme les yeux, concentre-toi sur Dieu. Ne te détourne pas à gauche ni à droite. Chacun pour soi, chacune pour soi. Est-ce que ta prière est en train de percer? Kopera tatabara, manchempelara. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Maintenant, 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 maintenant. Toute forme de lourdeur, toute forme de ténèbres, sorcellerie. Nous détruisons par le sang de Jésus et la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'assoupissement, la puissance du sommeil, de la fatigue. Réveille-toi. Retrouve la force, retrouve la grâce de la vie de prière, de la vie de prière, de la vie de prière. Et l'Église prie. Une Église est là. Et là. Shagadabara. Improbasha e parado do coporosa manda parada do tu capara li capra e mele rosso do cor. Allez, prie encore quelques secondes comme une femme enceinte. Pousse, pousse,
comme une femme sur le point d'enfanter la vie de prière. Oh, Jésus avait une vie de prière soutenue en permanence du matin au soir et même pendant la nuit. Son esprit était en prière. Mon frère, lève-toi, récupère, réveille. Shatakatakara, mandolo bra, ebre sokopara, meindia, mainda, arrodie, ebratoko, ebraskata. À qui cette parole est destinée? Demande maintenant, demande maintenant, demande maintenant, demande maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de prière, Esprit de prière. Maintenant, 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 réveille. Réveille, embrase, répand le feu. Le feu doit brûler. Le feu doit brûler. Le feu doit brûler. Le feu doit brûler. Oh, pas de timidité. Une heure de prière, ce n'est pas assez. Pousse, 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 pousse. Augmente. Il y a un monde dangereux. Il y a un monde de ténèbres trop dangereux. Pour prendre ta vie de prière à la légère. Ah! Chabrakata. Rabababababa, et ce que ta cara, mahande le brosso, mehinda baba, et luki para, di homo, munda kadia, prata coopéré. Saint-Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui es envoyé par le Père et par Jésus le Christ. Tu es l'Esprit de feu, tu es l'Esprit de feu, tu es l'Esprit de feu. Aujourd'hui, aujourd'hui, réveille, réveille. Donne-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Réveille-nous, Père, dans le nom de Jésus. Réveille cet homme, réveille cette femme, réveille ce frère, réveille ses enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Attaque, pria, mandelabaka, maleka bratokosko brekete. Les enfants doivent prier. Les hommes doivent toujours prier. Dans l'instant où tu rentres dans la sphère des hommes, dans l'instant où tu deviens un être humain, les hommes doivent toujours prier. Que la grâce de l'esprit de prière, de la vie de prière, soit réveillée par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit le fait maintenant, 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 dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié le Père et qui répond par le feu, qui répond par le feu, qui répond par le réveil de l'Esprit. Celui qui reçoit cette parole par la foi, donne un amen à Dieu de foi. Ah, ah, oh, ah, ah, kapra koma shadi kamadumari mandi obo bara ayisoba bara diama ami monsunti kapria. Ibrosaia maka sobre kente kete kete. Oh glorieux Saint-Esprit de Dieu, souffle, souffle, souffle le feu nouveau, le feu de la prière, le feu de la prière. Holy Spirit of the Living God, Esprit du Dieu vivant, souffle, 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 souffle le feu de la prière. Priez en tout temps, priez en tout temps, priez en tout instant, priez à tout moment, priez en toute circonstance. Ah. Béni soit le Père qui l'a voulu ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un clame le Dieu qui écoute et qui répond aux prières. Ah, 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 ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu? Nous te bénissons. Nous t'acclamons, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, pour tes œuvres, pour ta miséricorde. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Que la lumière de Christ luise dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que la lumière de Christ t'éclaire au nom de Jésus. Que la lumière de Christ te fasse resplendir au nom de Jésus. Que la grâce, qu'une nouvelle dimension de grâce soit déversée sur ta vie dans le nom de Jésus. La Pentecôte commence avec la prière. La prière. Ah.
la vie de prière. Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un ce matin? Et lève ta main droite et apprécie Dieu pendant 10 secondes. Apprécie le Père. Dis-lui merci. Il a envoyé cette parole pour toi. Nous avons dépassé un peu le temps, c'est vrai, pardonnez-moi. Mais il faut atterrir. Mais il faut établir les fondements de cette semaine de prière spéciale Pentecôte. Oh Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous parles, de ce que tu nous éveilles. Les mains qui sont levées, c'est les mains que tu confirmes. C'est les mains que tu réveilles. La vie de prière. Un homme sans vie de prière est un homme presque mort. Et mon Dieu, mais mort. Sauvé, mais mort. Mais Dieu envoie sa parole pour te délivrer de la mort spirituelle, de la lourdeur, la fatigue spirituelle. Retrouve ta vie de prière et engage-toi dans la prière et dans le jeûne cette semaine afin de rencontrer Dieu, afin d'expérimenter une nouvelle grâce, nouvelle possibilité, nouvelle dimension de cette gloire supérieure que Dieu relâche dans son Église. Béni sois-tu Père, dans le nom de Jésus le Christ, encore une fois, pas à nous la gloire, mais reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. La qualité des acclamations que nous te rendons, ce sont la qualité de nos actions de grâce. Pourquoi nous acclamons Dieu? Parce que nous sommes reconnaissants. Bravo pour tes œuvres. Bravo pour tes actes. Bravo pour ta présence. Nous t'élevons. Nous te louons. Nous te glorifions. Reçois nos actions de grâce. Nous sommes en train d'acclamer Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, le maître de la vie, le maître des temps, le maître des circonstances, le Dieu qui réveille notre vie de prière pour nous rendre capables de vivre et de marcher en vainqueur dans ce monde des ténèbres. Lumière est celle, mais ça passe par la vie de prière. À Dieu seul, à Dieu seul sage, par Jésus le Christ notre Seigneur, soient nos actions de grâce, par la puissance de l'Esprit qu'il a envoyé. À Dieu soit la gloire, à Jésus soit la gloire, à l'Esprit soit la gloire, le glorieux Saint-Esprit qui glorifie Jésus le Christ. À toi acclamation, à toi célébration, à toi appréciation. Merci Abba Père, reçois nos actions de grâce. Nous sommes reconnaissants et nous ne sommes jamais fatigués de te le démontrer. Dans le nom de Jésus, quelqu'un qui est reconnaissant, fait monter à Dieu un amen fort de reconnaissance à Dieu. Ma reconnaissance à Dieu donne un amen fort. Pratakopara databra shakapra dekorab. Acclame encore Dieu. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas ennuyé, tu n'es pas désespéré. Est-ce que tes mains sont parties? Non. Alors acclame Dieu. Apprécie Dieu. Fais battre ses mains. Il a dit, peuple, battez vos mains. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui le dit. Battez vos mains. Qu'est-ce que tu attends? N'arrête pas. Encore un peu. Et en plus, c'est bon pour la circulation sanguine. C'est bon pour la circulation. Comme tu ne fais pas de sport, acclame Dieu. C'est bon. C'est un bon exercice. Et spirituel et physique. Et pousse vers ton Dieu un cri de triomphe. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit amen. Bon, maintenant on doit atterrir et terminer le culte. Après tu as dit qu'AICC on s'ennuie. Asseyez-vous. Avec le sourire. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. C'est lui qui met le feu. Sans le feu, il n'y a rien. Que ta vie communique la passion de Dieu. Que par ta vie, Dieu communique sa vie. Le Saint-Esprit. Il est l'esprit de feu. Il donne la vie. Il donne la fraîcheur. Mais tout cela passe par la vie de prière. Voilà pourquoi il doit réveiller la vie de prière. Il faut crier à Dieu pour la vie de prière. Dont les médailles. Ne me laisse pas rester mort. Non, réveille-moi. C'est le genre de prière que Dieu veut attendre. Quand tu sais que tu as soupi et que tu n'as pas fait exprès. Quelqu'un dit amen. Très rapidement, avant de terminer ce culte,
Si vous êtes là ce matin, comme Dieu nous envoie toujours de nouvelles personnes, pourquoi? Parce que nous prions pour que Dieu t'attire, pour que tu te sauves. Nous prions pour toi. Chaque semaine, l'Église prie pour que Dieu sauve. L'activité numéro un du ciel, c'est de sauver. L'activité numéro un du monde des esprits des ténèbres, c'est de perdre les hommes. Si tu es là ce matin et que tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore né de nouveau, c'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu Jésus le Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. À ton sujet, il est écrit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a sacrifié, qu'il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit dans le Fils ne soit pas perdu, mais qu'il reçoive la vie divine, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. Zoé, Aionios, c'est la nature même, le genre de vie que Dieu a transplanté, implanté, téléchargé dans l'esprit, la partie de toi qu'on appelle l'esprit. C'est comme cela que tu deviens né de nouveau. C'est comme cela que tu es sauvé. Lorsque tu reçois Jésus le Christ, c'est lui qui est la vie éternelle. En recevant le Christ Jésus dans ton cœur, pas la religion, non, mais Jésus le Christ. Je ne te parle pas de la religion, je te parle de Jésus le Christ. Ne me dis pas je suis religieux. Jésus n'est pas mort pour une religion. Jésus est mort pour établir le royaume de Dieu. Or, Jésus a dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Donc la première étape avant toute chose, c'est de recevoir le Christ Jésus. Il est écrit que celui qui a le Christ, le Fils de Dieu, il a la vie divine. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Veux-tu recevoir la vie éternelle ce matin? Si tu l'as déjà reçu, reste assis. Mais si tu n'as pas reçu la vie éternelle, tout commence par là. C'est là qu'on est sauvé. C'est là qu'on est né de nouveau. La nouvelle naissance est de l'Esprit. Quelle grâce! Veux-tu recevoir Jésus-Christ maintenant? Lève-toi, l'heure est avancée. Dans tous les campus où nous sommes connectés, viens devant. Si tu es dans une église connectée, viens devant. Viens devant la chaire, viens devant l'autel, viens devant le pupitre, viens maintenant. Là, je vais compter jusqu'à 10 parce que l'heure est trop avancée. Si tu veux recevoir Jésus, si tu me dis, pasteur, je m'en moque, c'est ton problème. Sache une chose, Jésus n'a pas eu honte de toi. Jésus a été crucifié de 9h jusqu'à 15h pour toi. Jésus a porté tes souffrances. Pourquoi tu veux souffrir? Pourquoi tu veux continuer à souffrir? Jésus t'offre une vie nouvelle. Jésus veut te donner la vie divine. Il veut te sauver aujourd'hui. Il veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Il veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Alors mon frère, alors ma soeur, quel que soit ton âge, quel que soit tes rangs, tes fonctions, ici on s'en moque, c'est Jésus qui importe. C'est Jésus qui appelle les hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu. Viens, lève-toi maintenant, si tu es dans les salles annexes, quelle que soit l'église où tu es connecté, viens devant, devant, devant. Ça se passe devant. On reçoit Jésus publiquement, ça se passe devant. Quitte ton siège. Qu'est-ce que tu fais encore assis? Lève-toi. Viens recevoir Jésus maintenant. Tu penses que ceux qui sont devant s'en foutent? Lève-toi et viens recevoir Jésus maintenant. Si tu t'assieds, tu t'assieds sur ta destinée. Tu t'assieds sur ton avenir. Demain, il sera peut-être trop tard. Mais c'est aujourd'hui, le jour du salut. Tu entends cette voix. Dieu est en train de parler à ton cœur. Arrête, tu n'es pas si important que ça. Tu n'es qu'un souffle. Le temps viendra où tu partiras. Tu n'es rien, mon frère. Ne te crois pas important. Personne ici n'est important. C'est Dieu qui est important. Lève-toi, reçois le Christ aujourd'hui. Inscris ton nom dans le livre de vie qui est dans le ciel aujourd'hui. C'est maintenant le jour d'un nouveau départ. C'est maintenant qu'on inscrit son nom. C'est maintenant qu'on reçoit le salut. C'est maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. C'est maintenant. Dans le nom de Jésus, c'est maintenant. Maintenant. Et toi qui acclames Jésus, acclame le bien. Voilà, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je sais que ce n'est pas que seulement ceux-là qui doivent recevoir le Christ Jésus. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, Dieu donne à tout le monde l'opportunité d'être sauvé. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu parle, l'homme répond. Dieu parle, l'homme réagit. Celui qui ne réagit pas, il dit non, moi j'ai honte, moi ce n'est pas mon temps. Je connais un frère, un ami qui disait ça aussi. Il dit ce n'est pas encore mon temps.
et il est mort d'une crise cardiaque il y a quelques années. Et après, on l'a vu en vision, en songe, en train de dire, je ne savais pas, si j'avais su, aïe, aïe. Il y a deux destinations possibles pour tous les hommes. Ce n'est pas amusement, frère. Hein? C'est le Hadès, le royaume des morts, en attendant le lac de feu, dans les temps à venir, ou bien c'est le paradis. Les deux sont aussi réels que la terre sur laquelle tu es. Quand tu partiras d'ici 100 ans, tu ne seras plus là. Tu iras où? Je ne sais pas. Mais moi, je sais. Toi, tu ne sais pas. Moi, je sais. Soit tu monteras, soit tu descendras. Et on te montrera cette scène où Dieu est en train de t'appeler. Mais tu avais dit non, 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 moi, je n'ai pas envie. Eh bien, tu sais quoi? C'est ton choix. Tu périras et tu périras pour toujours. Il y a un temps, c'est le temps, c'est maintenant. Après ce temps, ça ne sera plus le temps. Celui qui entend, qu'il entend. Celui qui ignore, qu'il ignore. Dieu parle, les hommes doivent réagir. Tu as compris? Dis amen. Maintenant, si tu es assis, c'est ton problème. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Il est écrit, quiconque ne sera pas trouvé inscrit, quiconque dont le nom n'aura pas été inscrit dans le livre de vie, sera jeté dans le lac de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Tous ceux dont le nom ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie furent jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, la mer de feu, la rivière de feu, c'est la destination de Satan et de tous les gens qui ont refusé le Fils de Dieu. Ça se passera, et c'est certainement. Toutes les prophéties ont été accomplies. Celles qui devaient être accomplies comme celles-là s'accompliront. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi, pendant que la porte est encore ouverte, pendant que le salut est encore disponible, alors que les jours mauvais vont venir sur la terre, très mauvais, et les jours deviendront de plus en plus mauvais, mais sur nous, Dieu se lèvera. Et sur ses justes, sa gloire sera visible. On verra ce sur qui la gloire de Dieu est visible. On verra ce sur qui la destruction du diable sera aussi visible. Mais nous, nous avons choisi notre part. C'est donner notre vie à Jésus. C'est recevoir la vie éternelle. Recevoir le Christ pour toujours. Quelqu'un dit amen. Pasteur, comment on fait pour être sauvé? C'est simple. Il est écrit, si tu reconnais publiquement dans Romains chapitre 10, au verset 9. Si tu reconnais publiquement, quelqu'un me dit publiquement. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Il y a deux choses à faire, le reconnaître dans ton cœur et le parler de ta bouche. Je vous demande d'incliner vos têtes en signe de révérence envers Dieu. Ne soyez pas distrait par l'environnement, c'est un moment qui est trop important, c'est un moment qui est trop capital. Vous allez répéter avec moi à haute voix cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, tu as été sacrifié à ma place, pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité le troisième jour, que tu es vivant et que tu règnes pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, mes fautes. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi de toute souillure, de toute impureté. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Je m'ouvre à toi, je me livre à toi, je t'invite dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur vivant, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur, change ma vie, change mon histoire, transforme ma vie à partir de maintenant. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Seigneur Jésus, merci de ce que tu me sauves. Père, je te suis reconnaissant, je te remercie, car aujourd'hui, c'est mon jour pour recevoir la vie éternelle, la vie nouvelle. Je déclare, je confesse publiquement que je suis sauvé, que mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je glorifie Dieu, je glorifie Jésus. Amen, amen et amen. Acclame Dieu, apprécie Dieu. Amen, amen. Ils ne vont pas partir maintenant, non. Je vous demande, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos frères, pour nos sœurs? Ils sont nés de nouveau. Et acclamez Dieu vous aussi. C'est un grand jour. Acclamez Dieu.
Appréciez Dieu. Un jour, vous comprendrez l'importance de ce que vous venez de faire aujourd'hui. Il y aura un après, il y aura un avant et un après. Quelqu'un dit Amen pour eux. Nous vous recommandons la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que le sang précieux de Jésus vous lave complètement. Quelqu'un dit Amen. Repartez à vos places. On est ensemble, on va vous recevoir tout à l'heure. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Dieu.